Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au Bréjean. Et ça commence, ça commence à prendre forme. Alors, on a des trucs à refaire ici. Alors, attendez, on recommence d'où ? On va commencer de ici, tiens. On va commencer des unes. Ici, nous avons la petite zone industrielle. C'est beau quand même. Petite zone industrielle avec la zone nucléaire. Alors, combien ça crée d'emplois d'ailleurs, ça ? T'as 300 emplois quand même, hein. 300 emplois à la centrale nucléaire, c'est pas mal, hein. Donc, grosse zone industrielle ici avec la centrale nucléaire, plus quelques grosses usines spécifiques comme vous avez ici, ici et là, la petite zone de déchets. Ensuite, vous avez ici la petite zone agricole avec des éoliennes et puis quelques cordes fermes. Ça, c'est pour manger, il faut bien. De l'autre côté, nous avons petite zone agricole également avec des maisons. Il faudrait qu'on fasse d'autres petits villages quand même parce que la map est grande. Ouais, la map est grande et je pense qu'on pourrait faire d'autres petits villages comme ça. Ça nous permettrait d'ajouter des trains, etc. Nous avons ici la zone de dépôt avec les gares de triage, les différents dépôts de la poste ou de machin comme ça. C'est les nonanes. Ensuite, vous avez ici la zone de train avec les doubles gares, plus quelques centres commerciaux, notamment ici avec tous ces parkings là. C'est pas mal en vrai, cette petite zone là. Ça manque un peu de bâtiments quand même ici là. Faudrait qu'on voit si on pouvait en rajouter. Petite zone un peu banlieue ici. Et puis là, des grandes zones avec beaucoup d'habitations, des commerces ici, avec une grande zone commerciale avec le bus au milieu. Je pense honnêtement, il va falloir remplacer le bus. Parce que je pense que le bus est surutilisé, il va falloir le remplacer par du tram. Parce que je pense que ça va être compliqué de continuer de gérer le bus. Le bus avait l'air complètement plein. Le bus qui passe tout là dans le centre-ville et qui nous amène bien sûr dans le centre-ville avec notamment la cathédrale, les petits parcs, etc. Le cimetière, le château bien sûr, qui domine un peu cette petite colline avec sa grande forêt tout autour. Ça fait un petit cœur de ville sympatoche. Il y en a également pas mal là, des arbres avec ce petit parc ici. Bref, tout un tas d'habitations, Sébastien. Et puis ici, une première zone universitaire qu'on avait fait déjà il y a un petit moment. Et puis, dans un élan de folie hier, on a créé ce zone de stade pour le stade de la ville avec des commerces autour, avec des petites zones d'entraînement, de terrain de foot d'entraînement ici. Et puis là, nous avons une petite zone commerce, bureau, etc. avec quelques bâtiments uniques. Et puis on a construit le tram ici sur toute cette allée qui est un peu en bordel pour l'instant. Il y a toujours beaucoup de bouchons. Ouais, c'est toujours un peu la merde en termes de circulation, il va falloir qu'on travaille ça. Il y a beaucoup de bouchons, de piétons, etc. Une zone bien sûr d'hôpitaux, ouais, on va dire un peu CHU. Et puis là, l'université de médecine. Bah, du coup, CHU, c'est tout ça en fait, quoi. C'est une grosse zone. Oui, c'est une grosse zone le CHU, écoutez, voilà. Salut Kenzo, comment ça va? Salut Asile, bienvenue à toi. voilà, c'est pas mal globalement. Alors oui, il faut qu'on... Qu'est-ce que je voulais faire? Déjà, là, on a un problème. On a un problème de... Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Pourquoi vous pouvez pas vous... Voilà, ça dégage. Le chômage, il dit quoi? 4%, on est bon. La demande est assez élevée en tout. Il y a toujours des problèmes de circulation, du coup, dans cette zone-là. Mais alors, j'ai l'impression que les problèmes s'arrêtent ici. Après, ça va mieux. Et je sais pas pourquoi... Ah, mais c'est à cause des piétons que ça bouchonne. Ah, ça fait chier, hein. Pas de tram pour le CHU. Bah le tram passe devant. Ça va, les mecs, ils ont qu'à se déplacer, quoi. Au bout d'un moment, on peut pas non plus, on peut pas mettre le tram devant la maison de tout le monde, si tu veux. Les gens, ils ont qu'à se déplacer à pied. On a fait ce magnifique échangeur aussi, au fait. Ici, alors j'aimerais bien qu'on construise de l'autre côté pour voir un peu ce que ça donne. Il faut qu'on refasse toute l'autoroute ici, là, parce que là, c'est n'importe quoi. Toute l'autoroute jusque là, faut qu'on refasse, parce que là, c'est à moitié en hauteur, à moitié machin, là, c'est à moitié pété, il y a les boss, on a vraiment travaillé comme des obes. Faut qu'on refasse un peu ça, et on va commencer par ça, d'ailleurs, parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Donc, on va détruire en partie ça, là. Ça. Ouais, je détruis tout, j'en ai rien à foutre. Je détruis tout ça jusque là, parce que c'est trop, ça lui dit qu'au fun quand ça va. Là, on détruit aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, parce que ça va trop, ça me va pas. On va refaire un peu ça propre, là c'est pareil, c'est aussi trop haut, là aussi. Voilà, on dégage un peu les trucs, on fait une basse scène. On va essayer de faire un truc un peu plus joli dans cette zone-là, parce que c'était à 30 mètres du haut, là, je sais pas pourquoi. C'était n'importe quoi, voilà, hop, ça dégage, ok. Comme ça, alors, soit on le fait passer en souterrain, soit on le fait passer en semi-enterré, je sais pas comme vous préférez. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bien sûr, sur vos Twitch, que TikTok, comme d'habitude, c'était pas à gérer un follow, à nous rejoindre sur Twitch, vous tapez ça, vous nous retrouvez. J'ai commencé à leur dire sur YouTube, tu as mis un péage finalement. Et non, le péage ne marche pas. Ah oui, attendez,
J'ai résolu un souci que nous avions depuis un moment. Vous saviez, il y en a qui disaient oui, le mode machin, il fonctionne là. Le mode extendi de road machin. Ben, en fait, il fonctionne. Mais il n'est pas compatible avec le mode que j'avais là-haut qui s'appelle Texture Replacer. Du coup, j'ai enlevé Texture Replacer et j'ai récupéré ce mode. Et du coup, on peut mettre des murs de retenue. Voilà. Ouais, ouais, il fonctionne. Mais oui, il fonctionne, regarde. On peut mettre des murs de retenue. Et ce qui fait que ça va pouvoir nous améliorer pas mal d'endroits où c'était un peu dégueulasse. Tu vois, là, ici, par exemple. Voilà, petit mur de retenue ici. Voilà, ça va faire des zones un peu moins dégueulasses. Parce que c'est vrai qu'en termes de texture, c'était pas magnifique. Ah, dommage, il l'a pas pris là. Ah, il l'a pas pris là, c'est dommage. Salut Aaron, ça va bien et toi? Il y a même d'autres endroits où on va pouvoir améliorer. Parce que là, par exemple, là, on pourrait mettre un petit mur de retenue. Voilà, ça va faire moins moche. Hop, voilà, regarde. Ah, là, c'est bien. Putain, là, c'est mieux. Alors, il y a toujours des petits bugs de jonction. Mais c'est quand même moins dégueulasse. Ouf, j'ai eu peur du crash. Que ça l'était avant. Là, c'est pareil, on pouvait le prolonger un tout petit peu. Voilà. Ouais, non, c'est pas encore. Ouais, c'est vrai qu'il y a des petits bugs aux jonctions là. Ouais, ouais, c'est un peu chiant. Du coup, je l'ai retrouvé effectivement et il fonctionne. Ouais, c'est ma faute. Et du coup, c'est-à-dire qu'on peut mettre des quais parce qu'il y a un mode quai. Alors, je sais plus comment il fonctionne, mais on peut mettre des quais. Voilà, et ça, c'est pas mal. Alors, du coup, on vous avait dit en semi-enterré. Attendez, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi le. Pourquoi c'est en rouge là? Ça veut dire quoi? Ah, c'est pour les pompiers? Ouais, il va sur le truc de sapeur-pompier. Ouais. Est-ce qu'il y a tout le monde a assez de parking là? Oh, la circulation est dégueulasse! Oh! Voilà! Voilà! Oh, la circulation est pourrie! On est à 50% de circulation! Oh là 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 là! Oh, mais c'est une cata! Ah, mais partout! Quoi? Même là, c'est rouge! Je t'envoie une provision de Carrefour sur CSGS, tu me dis ce que tu en penses. Attends, je vais aller voir ça. Salut Twilight. Est-ce qu'on peut déjà s'iscaler parce que je crois que tu as téléchargé l'ancienne version du 2. Enfin, j'ai pas compris. Téléchargé, c'est-à-dire sur Steam. Tu as envoyé ça où? Sur les échangeurs ou tu me l'as envoyé sur Instagram? Salut Soutiklem, comment ça va? Il fonctionne comme les murs de retenue, tu appliques sur le côté de la web et tu te retournes pour enlever la terre qui dépasse. Ok. Salut Acacia, comment ça va? Ah ouais, il va falloir travailler les autoroutes là. Pourtant, il y a. En fait, c'est cet échangeur là qui est peut-être pas suffisant. Ou c'est celui-là là. Celui-là il fonctionne bien hein. Ah ouais, on a des bouchons partout. Oh, enculé, il y aura du boulot hein. Bon, déjà on va refaire ça. Alors on va dépéter ça, péter ça. On va déjà recommencer par ça. Pour moi ça c'est un chouïa trop haut. Je sais pas. Ouais, alors on va faire un parking relais. On m'a dit qu'on faisait un parking relais, je crois on a dit ça hein. Il me semble qu'on a dit ça. Tu m'as envoyé sur Insta, je regarde après là. Il me semble qu'on a dit qu'on faisait un parking relais. Alors attendez, il faut quand même qu'on reste à 5 mètres de haut parce que ça passe au niveau de la route au-dessus là. Alors, peut-être même un tout petit peu plus. Genre, hop, ouais. Ouais, 10 mètres. On est obligé de se mettre à 12 mètres là? Ok, 10 mètres ça passe. Non, mais vas-y, de l'attaque. Et après, on descend. On va essayer de se mettre semi-enterré, ouais. On va essayer de se mettre. Là, ça fait quoi en dénivelé? 10%, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, on va essayer de se mettre en semi-enterré. Ah, mais semi-enterré, je peux pas. Non, je peux pas. Attends. Parce qu'il faut qu'on passe, qu'on rejoigne là-bas. Ah non, on va être obligé de rester en hauteur. Hein. Salut Otto Yatsuka, comment ça va? Ouais, on va être obligé de rester en hauteur parce qu'on peut pas passer en semi-enterré là. Hein. Attends, faut qu'on terraforme un peu ici, là, c'est n'importe quoi. Voilà. On va essayer de faire un peu mieux ici. Voilà. Pour que ce soit un peu moins chelou. On va être obligé de rester un peu en hauteur. Hein. Je sais pas trop comment on va faire là pour rouler de l'autre côté. Hein. C'est un peu la merde. En fait, je me demande si cette route, elle sert vraiment. Est-ce que cette route sert vraiment? Je me pose la question. Hein. Bah si, quand même, parce qu'elle connecte là-bas. Bah si, elle sert quand même. Hein. Mais alors, du coup, on va être obligé de la laisser légèrement en hauteur quand même. Hein. Finalement, on va pas la mettre au sol. Hein. On va la laisser un tout petit peu en hauteur. Genre à 2 mètres... Ouais, 2 mètres... Ouais, 2 mètres 50, c'est suffisant. Et c'est là que c'est problématique. Là, on est obligé de faire un pont. Ah, mais ça fait un dénivelé de connard, là. Oui, je chevauche des éléments, oui, je sais. Ouais, ça fait une bonne pente de 10% sur 300 mètres, quand même, c'est pas mal, hein. Ah, mais là, ça refait la même chose qu'avant, là. On a un grand pont. Là, ça fait la même chose qu'avant, en fait. J'ai pas amélioré trop les choses, là. Fais voir. Ouais, ça fait pas un truc... Ouais, c'est pas beaucoup mieux, hein. Merci à MRNGLLT pour le... Sub, merci à toi pour le 12e mois, merci à toi pour la générosité, soutien à porter la chaîne. C'est plus clair, les demandes d'investissement, etc. sont donc plus épaisses. Non, j'ai pas suivi ce que t'as dit. Non, sur le Xbox Game Pass, j'ai eu la version PC, mais j'ai pas du tout la même interface que toi, et pourtant c'est le 2. Ah bon? Ça me paraît bizarre par contre. Bonsoir tout le monde, salut côté TikTok, comment ça va? Le jeu c'est Cities Skylines 2 pour ceux qui posent la question.
Ouais, comment on va faire là? J'avoue, je sais pas trop. Ça m'emmerde un peu ce côté. Ou alors on déterraforme tout. Parce que là, j'ai pas grand semi-enterré. On a vendu ça, ça fera un viaduc moins haut. Ouais, ouais, peut-être en semi. Parce que là, ça fait. En fait, ça me gêne. Après, le viaduc est pas si décollant. C'est moins décollant qu'avant, je trouve. Et ça fait quand même une bonne route, hein. Pour un périphérique. Ça fait quand même une bonne grosse route, hein. Ouais, c'est moins choquant qu'avant, non? Je sais pas ce qu'ils en pensent. Ah, si, quand même, ça fait une sacrée pente, là. Hein. Après, ça fait un viaduc, quoi. Ça fait un viaduc, hein. Mais là, en souterrain, c'est impossible. En souterrain, c'est pas possible. On est trop en hauteur, là. En souterrain, c'est pas possible, là. Donc, je sais pas trop comment faire. Moi, j'aime bien. Ouais, ça passe, en vrai. Hein. En vrai, c'est pas si haut, hein. C'est réaliste. Ah, ça fait une bonne pente, quoi. Ouais, on peut garder ça, hein. Attends, je vais juste corriger un petit peu la connexion ici, qui a un chouïa de travers. Ça, ça me gêne un peu. Oula. Alors, le problème, c'est que maintenant que je suis arrivé comme ça, là. Ma partie buggée, j'ai trop de seum, je peux plus jouer. Attends, quoi? Moi, je trouve ça beau. Vous trouvez ça beau? Bah, si vous trouvez ça beau, ça me va, alors. Voilà, mieux comme ça. Pour financer par la région et à 20% par l'Union Européenne, bien sûr. Pas terrible. Ah, vous êtes pitigé, quand même. Bah, ça fait un délire, ça fait un petit. En fait, c'est cette partie-là qui est un peu. Mais ouais, mais c'est parce que. Ouais, mais on n'a pas trop le choix en vrai. Hein. On n'a pas trop le choix de faire passer cette partie-là. Hein. Ok, alors maintenant, faut qu'on refasse toutes les connexions qu'on avait là. Alors, c'était un beau bordel. Mais ça va être moins haut, donc ça risque d'être un peu moins compliqué à faire. Alors, attendez, on va refaire ça là. Comment c'était foutu là? Je sais plus, moi. Je sais plus comment c'était foutu. Salut tout le monde, ça va? Ça va bien et toi, si tu veux jouer les pompes et les poteaux qui vont avec. Ah, ouais, alors après effectivement, ça, c'est pas une mauvaise idée, c'est de faire un joli pont, peut-être. Peut-être qu'un joli pont, ce serait peut-être une meilleure idée. Alors attends, on va mettre une sortie un peu plus large là, parce que... Peut-être qu'un joli pont, effectivement, ça c'est pas bête comme idée. Un joli pont serait peut-être pas une mauvaise idée. Ah, et ça, du coup, ça me nique mon angle là. Un plus joli pont, pourquoi pas? Tu m'as chauffé. Attends, je vais checker ça, on va voir si on peut faire mieux. Ah mais oui, je sais pourquoi ça fait ça, parce que j'ai pas mis la bonne route là. Une route moins large, moi. Voilà. Là, comme ça, c'est bien. Et du coup, on a cette connexion là. Qu'on va aller faire en vrai en comme ça là, en deux fois deux voies. Et alors on va transformer les routes ici. On va essayer de passer. Alors attends. Là, pain archi. Là en trois voies. Là en trois voies, mais dans l'autre sens pour faire les entrées. Oui, non, mais on aurait pu mettre. Attends. En fait, on aurait pu mettre qu'une voie d'entrée là. Hein. Voilà, nickel. Ok. Et là, pareil, on peut mettre qu'une voie. Hein. Salut Foxo, salut Golden Goris, comment ça va? Ça a passé une bonne journée dans le chat là. Interdit de tourner à gauche. Ok. Voilà, petite. On refait la partie changeur qu'on avait déjà. Roule à l'extérieur de la ville. Route à l'extérieur de la ville. Bah, c'est entre deux là. Là, celle-là, en vrai, elle sert quand même. Hein. Celle-là, elle sert quand même parce que elle sert à. Elle sert, tu vois. Parce que ça, c'est vraiment le côté autoroute. Et ça, c'est vraiment le petit périph interne de la ville, quoi. Salut Marc, comment ça va? Bon, pour l'instant, on a juste refait une petite route. Salut Thaïs également. Ouais, c'est pas mal. Alors, par contre, on avait un. Donc là, on avait des sorties. C'est un mode pour les routes avec les voies d'insertion ou c'est de base dans le 2? Non, c'est de base dans le jeu, ça. C'est de base dans le jeu. Ah oui, alors par contre, effectivement, c'est pas le bon. Oui, ça va pas là. Là, ça va pas parce que c'est pas là que ça doit se rabattre en fait. Ça me va pas, ça. Bah oui, mais comment je vais faire là? Parce que oui, non, ça va pas, ça. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Attends. Il faut que ça se transforme en deux. Attends, ça, c'est de la deux voies. Voilà. Et après, ça prend de la une voie, là. Ah, mais oui, mais pourquoi ça se rabat comme ça? Ça va pas, ça? Attends, faut que je change le... Faut que je change le... Ah, voilà, comme ça. Ok, voilà, là, ça va être bon. Là, ça va être bon. Boulot normal, mais j'ai toujours malade. T'as quoi comme maladie? Force à toi, en tout cas. Là, c'est chiant d'être malade, surtout en reprise, comme ça, là. Ah, mieux comme ça. Mais on pourrait rallonger presque... On pourrait presque rallonger un peu, là, en vrai, hein. Ah là, comme ça, ça ferait des vraies voies. Et là, la voie d'entrée, elle est pas ouf non plus. Hein. Elle est pas ouf, ma voie d'entrée, là. Ah, mais faut que je passe en deux voies, un moment. Tac, il a deux voies. Et quoi, je suis au chemin des éléments. Voilà. Comme ça, ça transforme en deux voies, là. Ok, c'est un peu mieux comme ça. Ça va être bizarre de la route de deux voies à une voie, puis d'une voie à deux voies. Ouais, oui. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas tant que ça, en vrai. Bon fast-food de décompression, Théo. moi, ça me choque pas tant que ça, parce qu'en vrai,
En vrai, c'est des trucs. C'est... Ouais, non, ça me choque pas tant que ça. Alors, par contre, est-ce qu'on passerait pas la route en 4 voies sur tout le long? T'as un virus, ah merde. Non, mais c'est bon, tu as corrigé. Bon, ça va. Pense à toi en tout cas. Alors, attendez, maintenant, faut qu'on fasse une petite connexion donc qui vient de là et qui retourne là-bas. Et on va mettre des routes un peu plus fines là parce qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de place. Après le petit déj hier soir, le fast-food ce soir, les profs sont en dépression déjà. Putain, j'avoue. J'avoue, les pauvres. Ouais, mais c'est de votre faute aussi, les élèves là. Vous leur faites vivre tous les malheurs du monde là. Bon, là, ça va, ça se fait easy. Sortie tranquille. Merci, un truc bien gras et gros. Putain, oula, ça va mal là. Théo, il va mal là. Théo, ça va mal. Quand on est là déjà au bout de 2 jours, je pense qu'il tiendra pas l'année. Hein. Ok, là, c'est good. Alors là, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas. Ouais, mais si, c'était comme ça avant, ouais. C'était comme ça. Et là, on se connecte en vrai par là. Oula, ça fait une pente un peu vénère là quand même. Hein. Ça fait une pente un peu vénère. Hein. C'est quoi le mode de ton dernier TikTok? J'ai fait un TikTok moi? Ah oui, aujourd'hui? C'est quoi le mode de mon dernier TikTok? Bah, toujours le même, hein? World Builder? Ah putain, faut pas que je fasse avec Anarchie, ça fait bugger. Alors attends, ça va pas. Ça va pas du tout là. Normalement, on doit passer au-dessus du parking, non? Je sais plus. Ah oui, mais du coup, si je fais pas avec Anarchie, ça bug. Donc on a pas le choix. Alors attends. Voilà. Là, 10 mètres. Voilà, mieux. Ok, petite entrée ici. On va essayer de mettre la sortie au même endroit. Ça fait une grosse pente là. Avec 14%, ça fait une bonne pente pour une sortie, ouais. Ok, voilà, nickel. Nickel, c'est pas mal comme ça. Les caveaux sur autoroute pour le raccord, non. Ouais, ouais, alors attends, maintenant on va transformer ça. On va rajouter les voies d'insertion, bien entendu. Chat. Oula, attends. Voilà. Oula, 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 oula. Ah putain, ça bug. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, c'est bon. Et là, c'est celle-là, c'est cette petite route-là de merde. Attends, celle-là, elle me fait chier là. Après, c'est surtout que je suis rentré lundi matin des vacances, pas fait mes courses et mon frigo est vide. Actuellement, j'ai faim. Je comprends. Je comprends. I can understand that. Yeah. Hop. Allez, sur ce, j'y vais vraiment. Eh ben, bon courage. Voilà. Ok, là, c'est pas mal. Ah non, là, il y a une pente. Pourquoi il y a une pente de con, là? Oh, mais on va jamais y arriver ou quoi? Attends, c'est pas compliqué, pourtant. Mieux, là? Et pourquoi il fait une pente, là? Bon, c'est la hauteur qui va pas. Attendez, j'arrive pas à comprendre ce qu'il me fait, là. Pourquoi tu gardes pas une hauteur convenable, là? Voilà, et là, on descend, là. Voilà, et là, on arrive dans le sol. Voilà. C'est bon, là? Ouais, c'est mieux. Ok, c'est pas mal. Ça, on a refait à peu près ce qu'il fallait. Ok, cette route est un peu mieux pour moi. Ça me convient mieux. pardon. Anarchie, c'est un mode ou directement intégré au jeu? Non, Anarchie, c'est un mode. C'est pas intégré directement au jeu. Non, c'est un mode. Ok, donc ça, c'est bien. Alors, je vois qu'on a beaucoup de problèmes de gens morts. Oui, dit comme ça, c'est bizarre. On a beaucoup d'adultes ou pas? Bah, pas tant de seniors, pourtant. Pourquoi il y a autant de morts, là? Pourquoi ils décèdent, les gens, là? Pourquoi vous mourrez? Après, j'ai fait très peu de crématorium et de cimetière. Oula, dis donc! Ah oui, mais ils sont bloqués dans la circulation, mes crématoriums, c'est ça le problème? Eh, mais les gars, faut y aller aussi, là. Oh là là, oh là là, mais c'est quoi cette histoire là? Ah, mes ronds-points sont pas très efficaces, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est ce bordel? Est-ce qu'on peut pas modifier le... Je pourrais pas modifier le... Bah oui. Est-ce que je peux modifier la priorité? Ah, je peux pas modifier la priorité sur les ronds-points non plus? Les modes sont mal faits, mesdames et messieurs. Ils m'empêchent de faire mon travail correctement. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Ah ouais, parce que là, ça met 2 ans, là. Mais pourquoi ce titre Hidalgo? Vous aimez pas Hidalgo? Qu'est-ce que vous avez contre? Déjà, pourquoi il y a autant de monde venant de ton université? Oui, c'est vrai, pourquoi il y a autant de monde qui vient de là? Et parce que les gens habitent là, je pense. Hein. Je sais pas combien il y a d'habitants, mais il y a des tours avec 270 habitants. Plus ça, ça crée un peu d'emploi, pas énorme, mais ça crée surtout 400 étudiants. Ouais, je sais pas pourquoi il y a autant de monde, ouais. Bah si, il y a beaucoup d'habitants, il y a beaucoup de tours. Hein. Il y a beaucoup de tours, il y a des parcs. Oh, j'ai pas eu un bâtiment entretien des parcs, d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte, on va le mettre par là, là. Là, petit bâtiment entretien des parcs. On va l'améliorer direct, voilà. Et ça, c'est quoi? Réserve de matériel supplémentaire. Après, est-ce que... Pardon. Une voie qui va direct sur la route pour éviter de passer dans le rond-point pour la circu. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup ici, hein. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup ici de faire ça. Alors, le tram fonctionne bien, j'ai l'impression. Est-ce qu'il est utilisé, ce tram? Attendez, qu'on check ça. C'est le tram 3. Ouais, pas tant. Il marche pas très bien, le tram. Je vous l'avais dit que je sentais pas, le tram. Je vous avais dit que je sentais pas et il fonctionne pas. Ouais, non, il marche pas tant. Il y a, regarde, il y a 380 passagers. 72. Il y a quoi? Combien de personnes aux arrêts là? 94. Il est quelle heure aussi? Ouais, il est 7h30, mais regarde les autres.
Les autres, ils sont 3000, 1700. Là, ça fonctionne, là, tu vois. Ah non, non, je pense que mon tram, c'était pas une réussite. Hein. Bon, on va le laisser parce que maintenant, il est construit, mais bon. Putain, le bus, par contre, faut vraiment qu'on le remplace. Hein. Le bus, ça va pas. Hein. Ah ouais, le bus, c'est une cata, là. Hein. Ah ouais, il est complètement... Il est surutilisé, le bus, regardez ça. 99%. Ah oui, mais c'est lequel, celui-là? Attendez, je sais même pas laquelle c'est, celle-là. Ah, c'est ça qui traverse la ville. Bah oui, celle-là, mais ça m'étonne pas. Elle traverse la ville, celle-là. Donc elle est hyper utile. Donc il n'y a pas un quartier de l'autre côté de la route, ça va pas marcher, je pense. Ah, pas tort, ça. Il a bien dit, ça. Et ça, c'est bien... Oh là là, il y a beaucoup de décès, quand même. Hein. Ouais, 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 il faut qu'on fasse quelque chose, là. Ah, mais parce que la circulation est moisie, aussi. Elle est moisie du cul, là. Au bout du crématorium. Alors, où est-ce qu'on va mettre un crématorium? On en a un, là. On pourrait en mettre un dans un... Le crématorium, c'est généralement dans des zones un peu pétées, hein. Ouais, c'est généralement des endroits où il n'y a pas grand-chose. Voilà. On peut rajouter un petit ici. Donc, on en a quelques-uns au sud. Là, là, on n'en a pas non plus. On pourra mettre... Bah, tiens, il y a une petite place ici, là. Bam, parfait. Crématorium, let's go. Tac, tac, voilà. Ça va diversifier, ça va faciliter un peu les choses. Il faudrait qu'on grossisse un peu par là, effectivement. Il faudrait qu'on rajoute des habitations. Oui, on va prolonger le tram, mais le truc, c'est que le tram, on a beau le prolonger, s'il faut qu'il y ait des trucs de l'autre côté, quoi. Tu peux mettre des feux rouges, on peut mettre des feux rouges, mais bon, pas toujours la solution. Les feux, bon, ça peut être pire que les... Ça dépend. Mais là, en fait, c'est qu'on a créé une zone un peu trop grosse. Mais le truc, c'est falloir faire passer le tram ici, là. J'ai envie de crever, hein. Je vous le dis, hein. Faire passer le tram là, ça va être un enfer, hein. Oh là là, ça va être une cata. Alors attendez, il faut qu'on réétudie un peu les circuits, là. Oh, mais c'est une cata. Non, ça, c'est des parkings. Ah, il manque de parking, d'ailleurs. Hein. C'est une cata, la circuit, là. Putain, mais il y a très peu de routes aussi, là. Oh, mais même là, c'est bouché, là. Ah ouais, mais jusqu'à la sortie de la map. Ah non, quand même pas, mais presque. Oh ouais. La solution pour ton pont avec le tram. Oula, j'ai peur. Wow, fais un pont tram piéton en parallèle de ton pont échangeur. Pas bête, ça. Ouais, pas bête, ça. Ah ouais, là, c'est une cata, là. Bon, après, on pourrait augmenter le nombre de voies. Bon, on sait rarement la bonne solution, mais... Ouais, c'est rarement... J'y crois pas trop, mais... On peut augmenter le nombre de voies, effectivement, de manière... on va dire de manière... allez, un peu pansement. Voilà. Ça change rien du tout, mais bon. 14 voies, je suis pas sûr que ça aille non plus. Non, mais on peut tester des bails comme ça. J'y crois pas, parce que ça marche jamais de rajouter des voies, mais bon. Sait-on jamais? Et du coup, ça veut dire que maintenant, on peut faire ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut garder ces routes-là et on peut lui rajouter une voie de chaque côté. On peut rajouter une voie de plus, là. Tac, on peut mettre ça en plus et puis mettre une autre voie là. Parfait. Et du coup, ça, c'est une autoroute à 2 fois 3 voies. Hop, on peut la remplacer. Hop, on peut faire ça ici pour faire les entrées et les sorties, là. Oula. Ah oui, mais du coup, il n'y a que 2 voies là. Donc, faut que je mette 4 voies, là, du coup. Oula, ça va être le bordel, là, non? Alors, attends. Oula, oula, il n'y a pas la place. Putain, il n'y a pas la place pour les 4 voies. Alors, faut mettre une 4 voies, mais petite. Faut mettre une 4 voies petite. On peut mettre une 4 voies petite, là? Ouais, ouais, ouais. Voilà. On va mettre une 4 voies, mais petite. On veut... Non, mais laisse-moi le marquage, par contre. Ah, mais il m'a enlevé le marquage. 4 voies petites, là. Est-ce que ça fonctionne, ça? Ah, j'ai trop de routes, c'est le bordel. La merde, non? Ah, putain, ça fait un bug. Ah oui, c'est ça qui fait chier. Alors, attendez. Est-ce que je peux la faire passer là, au milieu, celle-là? Ah, là! En vrai... En vrai, je peux peut-être même mettre l'autre, hein. Bah oui, voilà. Ah non, ça bug avec la route d'à côté, là. Alors attends, faut qu'on fasse ça. Ouais, on va essayer de transformer un peu tout en 4 voies, là, histoire de... Oh mais putain, faut que je refasse tout ce que je viens de faire, là. Je suis vraiment le pire des andouilles, hein. Ouais, ouais, on peut essayer de faire tout en 4 voies, même si, on le sait, ça résout rarement les problèmes, les 4 voies, mais bon, sait-on jamais. Ah ouais, putain, on a tout fait. Je viens de tout refaire en 2 voies et je refais tout. J'ai l'impression d'être dans ma commune, là, où ils font les travaux 3 fois au même endroit. Oh là là, salut Timéo, comment ça va? Salut Titus. Tu peux gagner 2 mètres encore car les voies centrales sont à 4 mètres ou 3 mètres. Ouais, mais dans tous les cas, faut qu'on refasse. Putain, mais je viens de le refaire cette partie-là. Je suis vraiment un âne. Hein. Je suis un âne au Kiri là, putain. Eh oui, bah oui, bah oui, faut refaire là, faut refaire cette heure. Je suis un âne au Kiri, voilà. J'ai un âne fromage quoi. Ouais, est-ce que c'est un âne? Bon bah vous mettez du fromage, c'est un âne fromage. Y'a qui mange des nanes? J'adore manger indien. Putain, j'ai envie de manger indien. Il y a longtemps que je peux manger indien là. Un bon indien. Ça passe ça. Enfin, pas manger un indien entier, hein, manger un plat indien. Ouais, d'accord. Ou t'es vraiment un âne. Ok, merci. Voilà, nickel. J'ai repris les cours comme tout le monde, mais à part ça, ça va. Ouais, bah j'imagine, ouais. À part ça, ça va. C'est le petit détail. Non, mais sinon, ouais, ça va. Écoutez, la vie se passe bien. Un bon indien. Mais non, mais c'est vrai, c'est bon l'indien. Il y en a qui mangent indien de temps en temps là. Attends, c'est vachement bien indien. Oh là là, on va jamais pouvoir se connecter là. Attends.
Ben, je suis en train de refaire ce que j'ai fait il y a 10 minutes. Hein. Je suis vraiment pas très optimisé dans ma construction. Hein. Non, le cannibalisme, ça m'intéresse bof. Cannibalisme, tu veux dire, je pense. Ouais, je comprends. Là, j'entends ça. Voilà. Ok, mieux. Mieux, comme ça, on a 4 voix. Et là, j'ai pas mis 4 voix. Et là, faut que je mette 6 voix. Attends. Oh putain, qu'est-ce que j'ai branlé là? Là, faut que je mette. Non, c'est pas celle-là. Faut que je mette. Elle est où ma 6 voix? Elle est là. Mais non, mais pourquoi? Bah, elle est où ma route? What the fuck? Ah, celle-là. Et putain, mais je suis trop con, j'ai pas laissé la place. Moi, bon, je suis vraiment un crétin. Attends, pousse-toi, toi. Je suis vraiment un âne, hein. Ma femme est thaï, donc oui, indien et autre, je kiffe bien. Ah, moi aussi, j'adore. Ah, la nourriture asiatique, globalement. Je me demande si c'est pas ma nourriture préférée, pour le coup. Ouais, ouais, franchement. Franchement, c'est généralement. En plus, c'est plutôt. Alors, la nourriture japonaise, encore plus, mais. Généralement, plutôt sain. Voilà, nickel. Mieux comme ça. Le contexte est très important. Oui, oui, le contexte est important, attention. Hein. Oui, oui, non, mais toujours, il y a toujours un contexte, attention. Oui, oui, oui. Ah non, il a raison derrière. Voilà, ok, c'est bon, c'est réparé. Bon, je suis pas sûr que ça change bien grand chose de rajouter des voix. Hein. On verra ça quand même. J'aime pas indien, mais je préfère le japouchien, hein, moi aussi. Quand j'habitais en région parisienne, j'ai commandé souvent indien, c'est trop une tuerie. Un bon indien, c'est vraiment cool. Hein. Est-ce que la version premium du jeu en vaut la peine comparée à la standard? Pour l'instant, non, je trouve pas, mais. Je prévois d'acheter le jeu, mais je sais pas si la version Ultimate en vaut la peine face à la standard, genre ça change beaucoup ou non. Bah en fait, t'es censé avoir des DLC en plus, mais ils sont pas sortis pour l'instant. Donc je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Hein. Pour l'instant, je suis pas sûr. Hein. Donc, agrandissons par là maintenant. Bon, cette autoroute là, pour moi, on peut la laisser comme ça. Ah, on pourrait la mettre en... Est-ce qu'on peut la mettre en mode quai là? J'ai envie de tester. Je sais pas si ça marche sur les autoroutes le mode quai. Ah, est-ce qu'on préfère pas comme ça? Ah, c'est plus joli comme ça. Et du coup, il n'y a plus les murets, quoi. Ah, c'est pas mal comme ça, hein. Ça fait un joli mur de retenue, mais il n'y a plus les murets, quoi. Provision de tram envoyée sur Discord. Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait, là? Oh là là. En double sens? Ouais, c'est pas con, hein. Ouais, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Enlève le rond-point et fais un échangeur à la place. Ici, là? Bah, c'est vrai qu'on pourrait virer le rond-point, ouais. Ouais, on pourrait faire un vrai échangeur, ouais. Ouais, on peut faire un T, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on peut faire un vrai changeur. Après, parce qu'il y a quoi là-bas? Ah oui, c'est vrai que ça mène à une ville, là, et au barrage, en plus. Et après, j'aimerais bien qu'on fasse une autre ville ici, à l'autre côté du barrage. Ouais, petit échangeur trompette, vite fait. Allez, vas-y, on fait ça en deux spies, là. Échangeur trompette, maintenant. Et c'est vraiment easy à faire. Hein. Easy money. Pardon, je me suis emporté, excusez-moi. Alors, on dégage ça. Oh, petit échangeur trompette, on va pousser ça, voilà. Alors du coup, il y a une toute petite... on va juste remettre un petit peu ça mieux. Comme ça, on aura la 4 voix sans problème et ça évitera aux gens de s'arrêter, en fait. Voilà, nickel. Donc, petit échangeur trompette. Allez, petit échangeur trompette, ça doit se connecter ici. Alors, attends, on va couper ça, voilà. Allez, on fait un échangeur express. Attention, on enchaîne. On enchaîne. Comment on fait un échangeur express, déjà? Comment on fait? Salut, Paul Luigi, bienvenue à toi, comment ça va? Attends, je sais plus comment on fait. Attends, on va mettre ça. Express, on a dit express, hein. Express, donc il faut du parallèle en 1, pas mal. Quoique, attends, pas obligé de se faire chier, hein, en vrai. On fait, non, mais sans parallèle, en vrai, on fait juste un truc comme ça. Attends, hop. Ah oui, attends, putain, comment on fait un... Je sais plus comment on fait. Comment on fait un T? Attends, mais je l'ai fait là. Attends, là, comment j'ai fait? Oui, c'est ça, il y a une voie qui part... Ouais, mais c'est faisable avec une monoroute, je pense. Je pense que c'est faisable avec une seule route. Je pense qu'on va y arriver. On va faire ça. À peu près... Moi, je fais en monoroute, maintenant. Bah, c'est vrai qu'en monoroute, maintenant qu'on peut les modifier, c'est vrai que c'est pratique. On va le mettre en une voie, au pire, on modifiera après. Tac, on fait ça. Est-ce qu'on est assez loin, là? On va peut-être rallonger un tout petit peu. On prend de l'angle, 51 mètres, ça me paraît pas mal. Alors non, je voulais l'angle, quand même. Je voulais 51 mètres. Voilà. On rajoute encore un peu d'angle à 180 degrés, 51 mètres, voilà. Et on part comme ça. Oula, attends. On part comme... Oula, mais putain, c'est pas le bon bouton, voilà. Et on part comme ça. Voilà, nickel. Et après, on fait la même chose. Ah, alors là, par contre, est-ce qu'on va y arriver? Ouais, je sais pas. On va voir. On va pas y arriver. Pourquoi?
Voilà. Là, faut qu'on descende. Ah oui, c'est pas dans le bon sens. Je sais pourquoi ça marche pas. Ok. Voilà. Et comme ça, ça fait un T, ça fait un T easy. Ça fait un T easy fait rapide. Sans problème, on quitte à mettre... Non, en vrai, ça suffit comme ça. Hein. Salut Parcival, bienvenue à toi, comment ça va? On prolonge celle-là. On la prolonge jusqu'à... Alors, attends, jusque là, mais en vrai, on va péter un bout de celle-là. Ah, mais il y a un autre rond-point ici. Bon, ça va, il y a moins de monde ici. J'ai marqué sur le div que tu as oublié une route sur l'échangeur diamant pour aller tout droit en sortant de la ville. Oula! J'ai oublié une route, moi? C'est possible, hein. Attention. Tout est possible, hein. Attends, on va regarder ça après. Il me fait me questionner. Voilà. Nickel, et il nous reste plus qu'à faire. Il est dégueulasse l'angle. Là, c'est dégueulasse. Je sais pas si on peut le faire beaucoup mieux l'angle. Bah, c'est vrai que l'angle ici est peut-être un peu moche, ouais. Ah putain, il peut faire tout là. C'est possible avec la carte kiwi. Oh la vieille ref. Oh la ref à la carte kiwi. Salut Alice, comment ça va? Et oui, tout est. Non, c'est quoi déjà le truc? Avec la carte kiwi. En plus, il y a une vidéo où ça continue en boucle. Ah, mieux comme ça. Peut-être un peu mieux comme ça l'angle. Ouais, oui. C'est celui-là qui est peut-être un peu court, hein. Oh, encore que. Salut Loudou, celle, comment on va? Et donc là, pareil, on arrive dans la petite rue ici, là. Voilà. C'est un grand T pour pas grand-chose, quand même. J'ai fait une grosse trompette. J'ai une grosse trompette, là. Il va pas sortir du contexte, bien entendu. Hein. C'est vrai que j'ai fait une très grosse trompette. Hein. Et en vrai, je suis pas si vieille. Hein. Mais moi non plus. Ouais, j'en doute pas. Hein. Bon, vous avez vous... Non, mais attends. J'en doute pas. Aussi grosse que ma trompe... Non. Moi aussi, j'ai une grosse trompe. Non, on a dit non. Non, gardez ça pour vous, on veut pas savoir. Gardez vos trompettes dans leur étui, là. Alors, attends, il faudrait que je fasse des 5 voix, là. T'inquiète pas, les heures arrivent tout le temps. Les heures arrivent tout le temps, oui. Comment ça, les erreurs? Là. Oui, bah non, ça va pas, ça. Eh, bah non. Moi, j'ai un pipeau, perso. Putain. Oh, la vache. Ils utilisent le champ lexical des instruments de musique pour exprimer la taille de leur sexe. Vous avez quel âge, en fait? Ah non, pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug, là? Oui, j'ai dit sexe. Et alors, ça va? On peut vivre? Vous avez quel âge? Voilà, mieux. Qui joue de la flûte à bec ici? Oh, putain. Et une trompette, c'est une petite trompe? Bah non, une trompette, c'est une grosse trompe, hein, du coup. Parce que en termes de... C'est plutôt gros, hein. Alors, attendez, il faut qu'on fasse... Bon, j'arrête de parler, parce que je m'enfonce dans mon truc, là. Il n'y a que toi qui penses à nous, on est musiciens. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Voix de voiture en plus. Voilà, celle-là, on la transforme comme ça. Et comme ça, on aura une... Alors, attendez, il faut que je renomme mes routes, hein. Autoroute... Autoroute 2x3. Ouais. Autoroute 2x3. Faut renommer ses routes, c'est mon conseil. Renommez vos routes. Je fais quand même très peu, mais je vous le conseille de le faire. Voilà. Ouais, ça c'est pécable, ça. Ça c'est pécable. On peut peut-être la rallonger un chouïa, celle-là. Voilà, ça fait des belles voies d'entrée-sortie. Impeccable, regarde ça. Là, ils arrivent. Alors, vous voyez, bon, la voie, elle est légèrement buggée ici. Ah, mais non, mais attends, ça va pas. Il m'a pas mis dans le... Non, mais ça va pas, ça. En fait, ça va pas du tout. Voilà. Plus comme ça, la route. Voilà, là, c'est bon. Mais non, putain. Voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon. Hop, merde. Voilà. Impeccable. Impeccable. Et là, ça crée une voie d'insertion, c'est bon. Ok, c'est cool. On a fait un petit changement. Alors, normalement, ça devrait fluidifier un petit peu, là. Salut, Fanche, BZH. T'as vu, je l'ai bien dit. Bah non, c'est pas une 2x3, c'est une asymétrie de 2x3 voies. Oui, non, mais je me comprends. Ah, putain, cherche la merde là. Par contre, effectivement, après, c'est la fin de la 2x2 voie, hein. Ils se démerdent. Hein. Et puis ici, on s'en fout, il y a vraiment 500 habitants, je pense. Voilà. Ah, il y a 1000 ici, il y a 1000 habitants. What the fuck, à quel moment ils ont grossi, eux? Calmez-vous, en fait. D'accord, il y a 1000 habitants ici, là. Ah ouais, les gars, ok. Bon, bah, très bien. Très bien. Un bus, alors? Quoi, un bus? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas mis de bus vers là-bas. Et... Et T, c'est un suffixe de petite taille. Ah ouais, c'est vrai? Ah merde. Ah, genre, qu'est-ce qu'on a comme autre exemple de trucs de petite taille qui finissent par être? Pirouette? C'est une petite pirouette? Non, ça marche pas.
Déjà que changeur est blindé si tu rajoutes des bus. C'est vrai. Salopette. Oh non, putain. Non, pourquoi j'ai dit ça? Vous me saoulez, putain. Camionnette, c'est vrai, c'est un petit camion. Ça marche. Merci, Licophone. Le cash, comment il va? Non, on a. Oh putain. Vous arrêtez. Guinguette, voilà, ça c'est bien ça. Maisonnette, marionnette, voilà, c'est bien. Non, on se calme parce que sinon on va être obligé de supprimer des mots, des messages. Voilà, c'est pas contre. Oula, c'est quoi l'échangeur qui a été publié sur par derrière là? C'est un beau bordel. Ça suffit les mots là. Voilà. Voilà, on passe à autre chose. Voilà, mirette, ça va. Sucette, c'est bien. Non, ça passe. Tartiflette, c'est une petite tartifle. Du coup, c'est quoi? Et comment il va le Corsicac? Bref, donc ici, on a dit, il faudra qu'on fasse passer le tram. On fait une grande zone d'habitation là, avec des grosses tours. Près de l'autoroute, on fait une zone avec des grosses tours. On peut faire une zone avec des grosses tours le long de l'autoroute, là, en mode un peu, pas cité, mais tu vois, un peu, voilà. Avec des parcs et tout, quand même, hein, sympa, hein. Ouais, avec des trucs sympas, hein. J'aimerais bien qu'on mette la grande roue en centre-ville, mais je vois pas du tout, on va pouvoir la mettre. Il y a tellement zéro place. Oh, dans un des parcs, là. Là, ah, là. Non, on passe pas là. Ah, là, ça pourrait le faire en vrai. Hein. Ouais, non, c'est bizarre. Ah oui, le parc relais. Putain, c'est vrai qu'on doit faire un parking relais. Bien vu. Bien vu. Alors attends. Bien vu, on va faire un parking. On va faire un parking relais. C'est ça qu'on devait faire. On doit amener le tram à l'endroit. Ils vont se. Bah après, il y a déjà un parking relais en soi pour moi là. Après, le tram va peut-être pas assez loin, mais. Mais pour moi, il y a déjà un parking relais là. Parce que les mecs, ils arrivent. Le tram arrive là. Il y a des gens là, c'est arrêt. Il y a personne à cet arrêt. Donc, ou alors faut faire passer le tram dans la zone de parking. Est-ce que Titeur est une starlette? Starlette Johnson. La place sur la volume up, il a l'esprit mal placé. Non mais alors, vous allez vous calmer déjà. Il faut boiser le stade et le CHU. Attends, ça viendra après ça. D'abord, je vais m'occuper de la circulation. Donc, on peut faire une zone de parking avec le tram. Plus après, rajouter des... Parce qu'on a de la demande en habitant, hein. On a de la demande en habitant, donc là, on peut mettre des bâtiments, hein. On peut y aller, hein. Est-ce que ça a réduit un peu la circulation sur l'autoroute, ici, là? Ah, mais du coup, ça a déplacé le problème. Bah voilà, c'est ça, le problème. Et du coup, au lieu qu'il soit stagné au rond-point, ici... Je l'ai fait vraiment trop grand, mon échangeur, c'est pas grave. Du coup, ils stagnent, là, les gens. Bah ouais, c'est ça, le problème. On déplace les... Ouais, je voulais dire, rajouter des voies, c'est jamais une solution, hein. Parce qu'on a déplacé le problème, en fait. C'est comme là, on a rajouté un bout d'un échangeur ici, on a déplacé le problème parce qu'ici, il n'y a plus de bouchons maintenant. Mais oui. Donc en fait, on résout pas les problèmes, on les déplace. Et ça, ça me va pas. Je veux pas déplacer les problèmes, moi, je veux les résoudre. Donc, il faut qu'on fasse un parking relais ici. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse passer le tram dedans? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une route à sens unique. Salut Nola Nono, comment ça va? On va faire une route à sens unique avec des parkings. J'ai beaucoup trop de routes, c'est le bordel. Route à épis d'un côté. Kitchenette, bien vu ça. C'est un plus grand rond-point. Moi, bon, ça change rien ça. Non, le rond-point, il change rien. C'est pas la taille qui compte. Et non. Et là, je me suis encore niqué. Ah oui, en plus, il y a même les piétons qui attendent là. Mais pourquoi il y a un passage piéton là déjà? Attends, ça dégage. Voilà. Faut l'enlever. Je vais l'enlever, tu vas voir, c'est vite vu. Pour éviter les sorties sur les ronds-points, faut genre sortir et arriver sur une route directe. Ouais, je sais, mais bon, c'est parce que je suis un peu... Voilà, moi j'aime bien les sorties avec rond-point. Ouais, c'est vraiment le... Oh, le monde, là. Ouais, mais c'est le périph, il est bouché, hein. Ouais, le périph, il est bouché, hein. Salut, Patachago, Shaogma, ouais, ça vient, et toi? Un grand stade dans CS2. Oui, c'est un mode. Bon, allez, c'est pas grave, parking. Comment on fait la zone de parking? On va la faire en zone... On va faire parking, alors attends. Je réfléchis, je mettrais bien des batailles... On a des rangements en créneau. Créneau dans un sens et de l'autre côté un parking. On a ça quelque part. Oui, je voudrais ça. Je voudrais ça, mais... Non, je veux pas ça. Vas-y, donc supprimer le trottoir, c'est un peu utile pour le coup, ils traverseront quand même. Non, ils passeront de l'autre côté. T'inquiète. Pas sûr de moi. Ça, c'est quoi? Ouais, on a pas la bonne route, je vais m'asseoir parce que je commence à avoir mal aux jambes là. Hein. Du mal au calme. Hop les.
On est quand même à 123 000 habitants, hein. Parce qu'on regarde pas trop les habitants, mais 123 000, hein. Et en vrai, bon, on a quelques problèmes de circulation, là. Là, on est à un moment où il faut qu'on résolve les problèmes avant de s'agrandir. Parce que sinon on va continuer de les traîner, les problèmes. Et ça, c'est pas bon, ça. Et si tu fais une plateforme piéton au-dessus de la route, tu peux supprimer les trottoirs. On pourrait techniquement. Alors, attendez. D'abord, on va se mettre, laisser une petite zone relais pour tester. On va mettre des parkings en créneau. Voilà, ça me va. Avec des trottoirs, non, on peut juste comme ça me va. Créneau. Ouais, le nombre d'habitants, il y a des morts. Ouais, il y a des morts, mais la population augmente quand même. Donc ça, créneau, j'aurais dû la renommer par contre. Et merci à Reina 1924, merci à toi pour le Prime, merci à toi pour la générosité, le soutien apporté à la chaîne depuis 2 mois. C'est très généreux de ta part. Alors attends, on va la renommer celle-là parce que elle s'appelle Sens Unique, un côté créneau. Salut Lycophone. Hop, voilà. Ok, je l'ai renommé, ça me va. Et, ah oui, non, mais attends, il faudrait faire passer le tram au milieu, on a dit. Attends, on va. Oh putain, il faudrait faire passer le tram en plus. Il faudrait faire passer le tram en plus sur cette route. Bon, attends, on va la remodifier et on va y mettre le tram en plus. On peut y mettre le tram en plus entre les deux là. Ça passe ça? Ah mais non, parce que je voulais mettre le parking. Oh bon live, merci à toi et merci pour le lurk franche. Ah ouais, là c'est chiant. Parce que j'aurais mis les parkings de l'autre côté, mais ça fait les voitures traverser. Ça fait traverser les voitures. Mm-hmm. Et là, ah, bah, on est obligé de mettre... Ah bah vous savez ce qu'on va être obligé de faire? On va être obligé de faire... Bon appétit Paul Luigi. Bienvenue à toi au passage. On va être obligé de mettre le tram au milieu. Le tram au milieu, comme ça. Là, ils pourront se garer à droite. Et là, ils pourront se garer sur la zone ici. Ah, j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de bricoler des trucs, là. Et du coup, ça veut dire qu'on va faire une zone parking comme ça. Hop, tac, avec parking d'un côté, là. Pas si con comme idée, hein. Si c'est con, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme parking, là, qui pourrait nous convenir? Que si on fait une zone de... Bonne soirée également, Charline. Non, tu fais parking, voiture, parking, tram. Parking, voiture, parking, tram. Mais non, parce que... Non, parce que le tram, il va être gêné. Non, c'est le tram, faut pas qu'il soit gêné. Le but, c'est ça. Et attends, on va mettre un deuxième parking. D'habitude, on a vu, c'est les Brégentaux ou les Brégés. Les Brégentaux, ouais, je trouve ça plus joli que les Brégés. Les Brégés, c'est pas très beau, je trouve. Alors, on met double parking comme ça. On va mettre double parking dos à dos ici. Ah, il faut d'abord que je mette la route, je pense. Ça fait quoi comme largeur à peu près? Ça. De toute façon, quoi que tu fasses, l'IA sera teubé. Oui, certes, mais bon, j'essaie de l'optimiser, moi, l'IA. Ouais. Ah, mais c'est pas les moteurs, là. Ah, c'est pas terraformé. J'aurais dû terraformer avant. Je suis un couillon. Hop les. Ah oui, mais alors du coup. Oh putain, il y a un qui est terraformé là. Mais ça a été fait avec le Sgeg ça. Oh Dieu. Voilà. Oh là là, c'est honteux. Et j'aurais dû terraformer avant, je suis Kang. Alors attends, on va supprimer tout ça. Alors, attends, on va se mettre là. Voilà. Tac, on a pas besoin de ça à peu près. Comme sur Perfessie. Voilà. C'est pas bien les insultes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Je dis plus le gros mot de la soirée. C'est mon défi. À chaque fois que je dis un gros mot, faut me le dire. Tac. Tac. Voilà, donc là, il y a la route qui passe. Ah, bah non, j'ai pas collé la route. Oh, je vais y arriver. Voilà, et du coup, j'ai pas collé là. Hop. Ok, là, c'est bon. Là, c'est bon. Et donc, on retourne sur ma route de folie là. Ça fait quoi en largeur à peu près là? On sait pas. Ça fait 72, donc on soit à 144. Normalement, techniquement là, on est bon. Oula. Normalement, là, si je mets les parkings, c'est bon normalement. Normalement. Pas du tout! Pourquoi c'est pas du tout bon la longueur? Moi, j'ai fait mon coup. J'ai mal mesuré en fait. Là, on est bon. Toujours. Oh, si, parfait. Voilà. Petit carré de parking là. J'ai reçu un gros mot, il y a un sub offert. Bah attends, je vais en dire beaucoup du coup. Ah non, moi qui offre un sub. Non. J'ai mis du temps à répondre. Non. Oui, non. Mon live, mes règles en fait. Moi qui décide. Voilà.
Tac. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce parking là? Ça vous convient ou vous trouvez ça laid? Vous trouvez ça laid? De toute façon, c'est trop tard, c'est fait maintenant. Salut Blackbird Kills, comment on va? Ok, alors ça fait passer le tram au milieu comme ça. Alors pourquoi il y a des lignes qui suppriment à des endroits? Ouais, c'est bien avec des parkings. Comme ça, ça fait mass parking. Et ça fait circuler. Comprovision, un gros mot, il y a un sub offert par Timéo. C'est son idée à la base, ça me paraît normal. Ouais, ça, j'avoue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un train de live. Ah, merci à John Balécouille. Oh putain. Merci à toi pour le prime. Merci à toi pour la GOT, soutien apporté à la chaîne. Et merci à toi au lancement de ce train de live. J'ai eu un match sur Tinder, mais je sais plus quoi lui dire à la meuf. Oula, oula. Oula, oula. Vous croyez que c'est suffisant ça? Ah, mais ça fait pas tant de parking, ça fait 260. Il faut vraiment une grosse zone de parking. Hein. Je sais pas quoi dire, mon pauvre. Là, j'avoue, tu m'as mis dans l'embarras. Alors, en fait, je pense que je suis bête. Vous allez dire, oui, effectivement, c'est tortue et bête, ça on le savait. Ton mode pour les routes personnelles de page, le mien entre chaque route fait des routes buggées. Alors, c'est à cause des trottoirs, je pense. Je pense que c'est des trottoirs, il faut réussir à mettre des routes avec la même taille de trottoir. C'est ça le défi du jeu. Faut réussir à mettre des trottoirs qui font la même taille. En fait, j'aurais peut-être dû mettre ça, parce que ça, ça fait vraiment 200 passes. Ouais, c'est pas beaucoup plus en vrai. Hein. C'est pas tant, hein. Oh là, on met une grosse tour de parking là. Ouais, non, ça va faire bizarre, une grosse tour en plein milieu là. Elle fait combien de places? À 416 places, hein. Pourquoi tu veux mettre le tram qui est dans un sens? Parce qu'il va faire une boucle, en fait, comme ça. C'était mon idée. Non, mais qu'est-ce qu'on a comme parking, ça, là? Ça fait combien, celui-là? Mais celui-là, il est gros de ouf, aussi. 160 places, ça? C'est nul. Ouais, c'est le terminus. Ah, en tout cas, pour l'instant. À voir après. Ça, ça fait combien? 390 véhicules? Ah, c'est pas mal, ça. Ah, celui-là, il est bien, hein. 390... 440 véhicules? Ah, c'est bien, 440, hein. T'as moyen avec deux parkings de 100 places surélevés. Bah, je dois. Oui, ça doit être. Il est où? C'est celui-là, là. Celui-là, il fait combien de places? 66. Et celui-là, il est pas mal aussi, en vrai. Il a un petit style, mais il fait très américain. Il fait pas très français, celui-là. Ouais, il fait pas très français, celui-là. Ça, c'est pas mal, en vrai. Hein. Par contre, du coup, faut que je refasse ma zone parce qu'elle est pas de la bonne taille. Tu peux le modif? Ah bon? Celui-là, là? Ah ouais! Oh, délire! Ah ouais, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah mais ça fait très américain comme parking, non? Ouais, non, ça fait vraiment les parkings de GTA. Oui, ça fait vraiment parking de GTA. Attends, comment tu montes dedans? Oui, oui, non, mais il est bien en vrai. Il est bien, mais ça, ça nous servira quand on fera une map américaine sur Cities Skylines 2. Mais en vrai, il est bien, hein. Mais il fait très américain, quoi. Il fait vraiment GTA. C'est parking GTA, j'allais dire. Ah non, c'est 100% GTA. Mais en vrai, il est stylé. À garder pour une prochaine fois, quoi. Ça, c'est combien de places, ça? Ça, c'est pas foufou, ça. Après, c'est joli, ça, mais bon. Ouais, il y en a en France, mais les parkings en France sont généralement plus comme des tours, hein, ouais. Genre, à Lyon, t'as des parkings comme ça, quoi. Après, on peut mettre ça. On peut mettre ça, mais... On va rester sur ça. On va finir par le faire, ma zone de parking, là. C'est sur la route, là, non? Comme ça va. Il faut que j'en mette un deuxième à côté. Attends, paf. Tac. On va vers vraiment une grosse zone de parking, hein, vous n'êtes pas prêts. Hein. On va en mettre 4 comme ça, qui nous fera presque 2000 places. Pas mal 2000 places, plus les zones, les parkings sur les places de parking sur le côté. Pas mal 2000 places. Ça commence à être intéressant. Que du souterrain, ouais. On va faire une grande zone souterraine. Alors ça, c'est des modes, ouais, par contre. Après, est-ce que ceux-là font la même place, ceux-là? Je les connais pas par cœur, hein, je vous avoue. Ils font 200. Salut, Illin Woods, comment on va? Pom, là, bam, donc. Alors là, je sais pas combien de largeur ça fait. Ça fait 104 mètres, donc faut au moins on soit à 216. Je pense que là, on est bon. Mais le parking gratos pour rester les joueurs à se garer. Ah, bien vu ça! Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une idée socialiste. J'aime bien les idées comme ça. Voilà. Oula! Bon, il est pas là. Attends, il y a un bug avec celui-là par contre. Quoi? Pourquoi il y a un bug avec celui-là? Il est pas bien mis. Il s'est pas bien. Ah oui, mais parce que celui-là est décalé. Oh là là, ça va être chiant ça. Tu peux les améliorer celui-là aussi. Tu peux rajouter des carouaches, ouais. Merci à Matteu pour les 100 bits. Merci à toi pour la vidéo. Soutien porté à la chaîne, bien sûr. J'ai eu un entretien d'embauche aujourd'hui. On croise les doigts. Oh, trop bien. D'entretien, pourquoi? Enfin, si tu peux le dire, hein, attention. Hein, je veux pas. Faut pas. Hey, Tomo, quand je pose des questions, faut pas vous sentir forcé de répondre. Hein. Mais parce que c'est cool. C'est cool. Enfin, c'est cool si ça t'intéresse. Parce qu'après, si c'est du taf alimentaire, bon, j'ai envie de dire, il faut bien, quoi. Ah, mais putain, il est de travers. Mais pourquoi ils sont pas de la même couleur que les autres? Ah non, en fait, c'est compliqué d'aligner, là. Non, ouais. Ah, mais cela dit, de l'autre côté, ça va être pareil. Ah, mais du coup, pourquoi ils sont pas pareils?
serait une ville piétonne comme tu avais déjà fait. La ville piétonne, c'est toujours un échec. Hein. Pourquoi il y en a un qui est pas de la même couleur? Je comprends pas. Pas que ça me dérange, mais bon, j'aimerais qu'on ait un truc. Mais putain, mais pourquoi il se met pas de la même couleur lui? Il y a toujours un qui saoule. Mais. What the fuck? Attends. Mais pourquoi il se met pas la même couleur? Après, dans la transition écologique à 20 minutes de chez moi, et oui, ça m'intéresse surtout plus près que mon actuel boulot, qui a plus loin de chez moi. Ah oui, j'avoue, déjà le temps de travail, le temps de trajet gagné là. Pourquoi il se met pas la même couleur? C'est fou cette histoire. Et attends, si je le copie celui-là. On peut pas copier pour l'instant? Non, on peut pas. C'est pas la même couleur du côté de, et l'autre peut-être. Et je sais pas pourquoi, mais parce qu'il y a un problème de dénivelé, non? Ah, oh, c'est à cause du dénivelé. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai pas terraformé. OMG. Mais je suis une anguille. Je suis une anguille. Voilà, je suis une anguille. Je suis la janguille. Bah ouais, c'est à cause des différences de hauteur. Bien vu. C'est parce que je suis un âne. Là, on doit être bon. Je suis un âne. Oh non, j'ai mis trop long. OMG, mais c'est pas vrai. Mon fond. Oh non, là, j'ai fait n'importe quoi là. Mais non, mais qu'est-ce que je fous, MG? Voilà. Bon, j'arrête de crier, excusez-moi. Donc j'ai dit 216, c'est 112, c'était trop. Non, c'était 104, c'est pas mal, je pense. Ouais, c'est bon, là. Non, c'est pas bon. Là, est-ce que ça passe, là? Voilà. Merde, il est pas en face. Pourquoi les mêmes couleurs partout, t'es sous les différences? Mais pas du tout! Pas du tout, mais qu'est-ce que vous dites? Pas du tout, non, non, je m'en fous, moi, les couleurs. Oh, putain! Ça fait encore pas la même couleur. Mais pourquoi il y a toujours un qui fait chier? C'est fou cette histoire. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis woke, je ne vois pas les couleurs. C'est parce que t'as pas la tatane pour terraformer proprement. Oh, la ref à la story, j'avoue. Elle était bien cette story là. Est-ce que vous aviez mis le son? Parce qu'avec le son, ça changeait tout. Hein. Putain, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est la bonne couleur ce coup là. Comme quoi, le changement de hauteur... Voilà. C'est bon. Bon, c'est pas tout à fait en face. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils ont pas content? Pas d'accès piéton? Une liaison vers la voie piétonne est nécessaire. Mais vous me faites chier? Que je vous emmerde, moi? Ça veut dire quoi, une liaison vers la voie piétonne est nécessaire? Oh putain, j'ai envie de crever. Attends, faut que j'enlève les routes, là. Voilà. C'est quoi, ça? Filtre bâtiment. Mais je peux pas enlever la route, là? Ah voilà, c'est bon. Pourquoi c'est pas connecté là? Attends, c'est quoi cette histoire? C'est moi qui ai répondu pour le cellophane, etc. Mais oui, je sais que c'est toi. C'était une bonne idée en vrai. C'était drôle surtout. Mais pourquoi ça marche pas? Ils sont buggés les parkings ou quoi là? Non, attends. Mais pourquoi je peux plus l'enlever la route? Oh là là, mais je suis vraiment un âne. Ah, c'est bon. Voilà. Bon, écoutez, ça restera comme ça, tant pis. Hein. C'est pas droit non plus. Bah oui, je sais que c'est pas droit. Mais ouais, mais attends, mais j'ai peur. Attendez, je vais sauvegarder parce que j'ai peur que de jouer avec Move It, ça fasse crash le jeu. Oh ouais, je suis toujours un peu sur des œufs, moi, on sait jamais. Non, c'est bon. Ah, c'est pire. Ah, là, c'est bon. Alors, attends. Il y a un problème de... Voilà, ok, et là? Comme de quoi, là? Ah, parfait, c'est nickel! Bah non, c'est pas nickel. Et là, ça va pas, du coup. Oh oui, c'est beau, ça fait un petit chemin entre les routes, en plus. Ah non, c'est pas de tête, c'est un peu décalé, putain. Ah non, vas-y. Ah! Ok, c'est good. Là, c'est good, parfait. En vrai, tes streams, c'est un peu mon moment détente, j'aime trop. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Bah oui. Mais des raisons invisibles piétons au pire. Oui, après on peut faire ça aussi. Bon, on a fait un parking. Est-ce que vous pensez que ça fait suffisamment de place pour un parking relais? Parce qu'on a quand même plus de 1000 places. Hein. Ah oui, on a dit qu'on les mettait gratos. Ou un... Ah mais non, on les met gratuits. On les met gratuits, voilà. On les met gratuits. Est-ce qu'on a besoin de faire une deuxième zone? Pour moi, c'est suffisant. Le quartier parking Marc Lavoine, hommage à sa chanson sur les parkings des anges. Oh, putain. En vrai, la blague est bien. La blague est bien. Bon, alors maintenant le tram. C'est là où ça me fait peur. Donc soit on fait passer le tram, oui on peut faire le lavage effectivement, soit on fait passer le tram en plein, oula attendez, allez, j'ai laissé ça là en mode dégueulasse là, soit on laisse le tram, ouais non faut que je prolonge le terraforming là,
soit on fait passer le train au milieu de l'échangeur, soit on rajoute. Oui, on va save maintenant. Oui, je sais plus quelle est la touche pour save plus vite parce que j'avoue, ça me faciliterait la vie. Soit on prolonge le tram directement sur la ligne principale en rajoutant des voies de tram ici, ce qui est faisable techniquement. Chiant, mais faisable. Et on le fait passer ensuite là. C'est F7 peut-être. Ouais, la route est pas connectée, c'est parce que. Fais voir. Non, F7 pour ça fait rien. Alors, soit on fait un pont à côté. Vous préférez quoi? Qu'on fasse un pont dédié au tram à côté? Sur le 2, tu peux faire des routes sur des routes, normalement. Non, oui, tu peux faire des routes sur des routes. C'est-à-dire que techniquement, on peut faire passer le tram en pont par-dessus. Oui, effectivement, ça c'est. Et oui, ça c'est envisageable, on peut faire ça. Alors, je sais pas si ça va. Quoi? Oups. Techniquement, c'est aussi faisable, mais. Est-ce qu'il y a un pont? Ah, mais ça va être une galère à le faire descendre et tout. Moi, je serais plus d'avis de faire un pont à côté. Ah, mais ça veut dire faire passer par-dessus et tout, là, c'est une galère aussi. Ouais, on peut. Merde. En vrai, tout est envisageable. Hein. Tout est envisageable. Alors, attendez, j'ai eu un ping, c'était quoi? Non. Attends. Qui c'est qui m'a ping? Je sais pas. Moi, je sais pas, j'ai été ping, mais je sais pas pourquoi. Mais ça a pas bouché ton échangeur. Ouais, mais c'est galère à faire un tram par-dessus. Ça veut dire qu'il faut le faire retomber en plein milieu là. Et ça veut dire qu'on dessert pas une partie ici. Bon, chiant. Moi, je serais plus envie de le faire passer. Alors, peut-être pas au milieu de ça, parce qu'en vrai, au milieu de ça, c'est quand même un peu stylé, je trouve. Je sais pas si c'est vraiment faisable, mais c'est un peu stylé. Et sinon, faire un pont dédié à côté, hein. On fait un petit pont dédié, regarde ça. On le fait passer comme ça par-dessus là. Mais pas forcément. On peut faire passer plus bas? Oui, non, pas forcément. Oui, non, mais si, on n'a pas le choix. Ah, tunnel, ça va être compliqué aussi en tunnel. On fait un pont piéton avec le tram sinon. Hein. En plus, comme ça fait éviter. Attends, si. Ah, attends, j'ai l'idée. I have an idea. Attendez, j'ai une idée, vous allez voir, vachement bien. Mais si, c'est pas mal. On part de là. On met ça en hauteur. Ils mettent. Ça fait une grosse route, ça. Ça fait un gros pont quand même. J'aimerais bien que cette route soit. Au milieu, ce serait stylé aussi, je suis d'accord avec toi, mais ça va être un peu galère à faire. Ouais, mais ça fait un gros pont là. Pont plus tram au milieu de la route. Attends, mais ça fait. Attends. Déjà, ça va pas là. Oh, c'est pas tout droit là. Attends, t'as vous. Mais non, mais cassez-vous, vous! Voilà. Vous me faites chier. On va faire des routes plus fines là, parce que ça, elles vont toujours aussi grosses. On va faire des routes piétonnes un peu plus fines, là. Bah non, on peut pas. Hein. Alors on pourrait enlever la voie voiture. Bah non, c'est une voie de tram. Bon, on est obligé de laisser le séparateur au milieu, là. Je trouve qu'elle est large, cette route. T'as déjà enlevé des voies piétonnes plus fines. Enfin, déjà des voies piétonnes plus fines. Piéton pavé, bah c'est des trottoirs, quoi. Mais en vrai, on peut faire la ligne. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, mais du coup, ça fait une route en fait. Mais c'est un peu con ce que je fais là, non? Je m'en rends pas compte. Je suis stupide ou hyper intelligent. Alors, pourquoi ça fait un bug de texture là? Ça devrait être correct. Je sais pas, mettre un trottoir. Mais pourquoi c'est pas en face? Tu as déjà créé des modes sur le 1? J'ai. Non, le 1 non. Le 2, j'ai créé une map. Bizarre, pourquoi ça fait ça? Voilà, j'avoue, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais, bon, apparemment, ça marche pas, mon histoire. Bon, bah, tant pis. Enlève les accotements. Ah, bah oui, maintenant que j'ai les... Oui, effectivement, j'ai plus besoin des accotements. Ah oui, bah voilà, c'est bien, ça. Ah bah voilà, nickel. Piéton plus tram. Tu peux remplacer la voiture par le tram en bas. Ouais, mais de toute façon... Ah oui. Attends, je réfléchis. Oui, si. Oui, si. Pas bête. Attends. Est-ce que on peut mettre des arrêts? Oui, c'est bon. Ok, ça me va. C'est beaucoup plus fin. C'est plus finaux. Par contre, du coup, il va falloir amener le tram jusque-là. Putain, j'ai 3 pages de route, là, ça y est. Oh, ok, bon, mais... Alors, attends, on va y aller petit à petit, quand même. Parce qu'on va y aller à 5 mètres, déjà. Voilà. Et après, il faut qu'on passe à 10 mètres, là. Oh, bah, c'est à 7,50 m, ça serait pas suffisant. Oh, si, c'est bon, là. Attends. Tac, et là, faut redescendre. En virage.
va faire un gros virage quand même. Après, on aurait pu commencer à descendre vraiment avant. Déjà. Je suis devenu fête du gras pour finir la. Qu'est-ce qu'il va manger de beau? On aurait pu descendre en vrai jusque là. Si tu peux remplacer la voiture, avec le tram qui fait le tour du stade, ce serait lourd en vrai. Oh ouais, mais là, attends. Ouais, mais on aurait dû faire dès le début, putain, et donner les idées après. Forcément, moi j'y peux plus là, hein. Attends. BK, classique. BK ou KLM. Ah oui, merde. Et ils ont fait revenir le tram comme ça. Pas mal, pas mal, mais alors par contre, tu as juste à remplacer la route piétonne en vrai. Oui, oui, mais alors par contre, maintenant, c'est comment on fait là? Parce que c'est bien comme idée, mais comment on fait maintenant là pour faire passer le. Parce que oui, on a bien bossé, super. Comment on fait passer le tram là, de là à là? Ça, ça va pas être. On va voir, mais j'ai peur que ce soit. Pourquoi ça connaît qu'une voie? Bref, quoi de beau, on fait un tram là ici pour faire une zone de parking relais. Mais alors pourquoi là ça. Voilà, j'ai pas mis dans le bon sens. McDo c'est devenu tellement deg et cher. Bonne soirée, mon cher Harrison. C'est un sens unique. Bah non, c'est pas un sens unique, c'est bien ça le problème. Ah si, oui, si, exact. Oh chiant. Oui, si, exact, c'est un sens unique. Eh oui, celle-là, elle est en sens unique. Oh putain, donc ça veut dire faut que j'invente une 3 voies où le tram il peut passer. Oh là là, en sens inverse. Oh là là. Si, non mais c'est la sens unique qui fait yesh. Bien vu, Marceau. Comme quoi, on n'aurait pas parié sur lui, mais il dit des bonnes choses des fois. En fait, c'est ça. Il faut qu'on mette... Donc on va dégager une voie. Voilà, et on va mettre une voie de tram en sens inverse. Voilà. On va être obligé de faire une route pour un tout petit bout. Et c'est ce mode, quand il pense, c'est fou quand même. Hein. Parce que vraiment, il nous sauve la vie. Alors attends. Non, mais ça va pas là. Ah. Ça marche toujours pas. Eh ben non. Pourquoi? Pourquoi là? Pourquoi ça se connecte pas là par contre? Attends. Pourquoi ça se connecte pas? J'ai pas dû mettre. Je trouve la voie de tram dans le bon sens. Ah merde. Oh le con. Le mec est con. Alors attends. Sur le petit bout là. Ah ouais, mais là. Alors attends. Oh là là. Attends, on fait voir. J'ai supprimé la voie de tram dans le bon sens. Exact. Attends, faut qu'on supprime un bout de voiture du coup. Et pourquoi ça connecte pas là? C'est l'angle qui vache pas? Qui vache pas, oui. Bonjour. Ah, il manquait juste ça. Non, c'est bon. Ah, c'est cool. Ok, et donc ça, le train, il passe là, hein, merde. Et là, et voilà. L'angle trop raide. Non, c'est bon. Bon, c'est un. Oui, bon, l'angle est un peu raide, oui. Oui, non, mais ça, après, faut pas le voir comme ça, oh, mon ami. On enlève un peu de passage piéton, là, parce qu'il y en a un peu trop. Non, on va laisser celui-là. On va enlever celui-là, on va laisser celui-là. On va pas le remettre. Bon, ni de tarasse. On va enlever le feu, par contre. Voilà. Voilà, ouais, non, mais faut faire qu'un sens, non, ça va être chiant. Et après, on fait là, et là, on fait passer le tram comme ça. Dans l'autre sens, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, mais pas ça, voilà. Ok, voilà. Salut Zenada, si t'as mes routes se mettent en unité, pas en mètre, alors que dans mes options, c'est en mètre, LP, tu sais pourquoi et comment changer cela? Comment changer cela? Attends, quelqu'un me l'a dit l'autre jour, il faut aller dans options et t'as un mode. Oui, on a eu ça l'autre jour, c'est dans quoi déjà? Où c'est dans. C'était moi, c'était toi Lance, ouais, mais c'était dans quoi? Dans trafic, non, c'était dans quoi? Ah, merde, je sais plus. C'était salut Geoman, comment ça va? Bienvenue à tous ceux qui l'ont joint, bien sûr, sur côté Twitch, côté TikTok. N'hésitez pas à réagir à Flo sur Twitch. Tant bien, je sais plus. Better Bulldozer, non, c'est dans quoi? Asset Libre ou Manager, je sais plus. Ah, c'est ça! Faut aller là-dedans. Et dans. Non. C'est pas Asset Manager ou Asset Librairie. Bah, c'est aucun des deux, moi. Mais c'est dans un de tes modes. Extraordinary Giving Tool, non. Ah, c'est Extended Tooltip, c'est ça! Voilà, faut que t'ailles dans Extended Tooltip. Et que t'ailles dans.
Voilà, show unity measurement, faut que tu le décoches. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi, moi aussi, c'était activé automatiquement. Le train passe dans le rond-point. Mais oui, le train passe dans le rond-point, mais c'est pas grave, ça. Ok, et donc, voilà, ça c'est très bien. Alors maintenant, c'est-à-dire qu'il faut prolonger le tramway en mettant un arrêt. Alors un arrêt ici, ça aurait pas trop intérêt. Un arrêt ici, à la limite, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. J'aurais pas mis là, du coup, mais... on l'aurait plutôt mis ici, on va dire. Voilà. C'est un mode qui active auto sur le road builder. Ouais, c'est possible. Hop, ici. Et après... Oula, non. Bon. Oula, attends, qu'est-ce qu'il me fait, là? Voilà, nickel. Et là, il repasse là. Voilà. Bon, c'est pas grave, les trams vont se croiser. Mais ça, c'est pas trop grave. Et là, on peut rajouter un arrêt ici. Donc là, normalement, ça prolonge la ligne jusque là-bas. Ok, et là, normalement, ça va être fonctionnel, ça. Théoriquement, ça marche. Alors, par contre, ça va rajouter des feux un peu partout. Là, je suis pas sûr de garder ce feu-là, moi, quand même. Hein. Voilà. Ça, sinon, et ça non plus, là. On va garder les autres, par contre. C'est le voie tram qui passe dans le rond-point, littéralement. Ouais, je sais, mais ça, c'est normal, ça. Ça, c'est normal, ça. Non, le tram autour du stade, je suis pas forcément fan. Ça va être chiant. Mais y a plus tout de bouchon, là, quand ça se fait. Ah oui, parce que j'ai détruit la route, peut-être, ça joue. Ouais, je pense que ça jouait. Ça a dû jouer. Ouais, ouais. Et là, y'a rien. Pourquoi y'a rien qui s'est construit, là? Ah, parce que les bureaux, ils sont pétés, là, entre les deux. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des conseils pour les paramètres pour que ce soit plus fluide quand on joue? Ah ouais, mais les gars, si je vous montre tous mes paramètres, ça va être chiant. En vrai, je vous les envoie. Dans le trip sens unique, inverse la voie de tram et la voie du milieu de voiture, je pense. Hein? Dans le triple. Dans le quoi? Dans le trip sens unique? Ah là? Inverse la voie de tram et la voie du milieu de voiture, je pense. Quoi? Ah! Oui, si c'est bon, j'ai compris. Alors attends, oh là là. Attends. Oh là. Attends. Déjà, on va enlever ça. Non, pas là. Ah, ok. Mais là, j'aurais pensé à un truc aussi. Ah, là-bas? Attends, quoi? Là, là? Ah, oui, là! Putain, oui, là, effectivement. Là, oui, effectivement, il y a un double. Il y a une double. Ouais. On va enlever ça, là, et ça, pareil. Et pourquoi je peux pas les enlever là? Oh merde. Oh non, bon, je vais remettre comme c'était. Je peux pas les enlever là? Pourquoi je peux pas enlever là? C'est étonnant ça. Pareil là, il y en a aussi là. Mais là, non mais je réfléchis parce que là, il y a double connexion là, avant le pont tram. Avant le pont tram. Là, là? Bah quoi là? Voilà, c'est bon là. Ah, non mais moi ça me va là, on t'a voit créer en sortie de rond-point. Et ben quoi? Ah, on aurait pu les mettre les deux du même côté. Ouais, non, mais c'est pas grave, ça. Non, mais ça va, ça. Bon, ok, on va mettre en play, on va voir ce que ça donne. Alors, on va voir si les gens commencent à aller dans le parking. Parce que les parkings sont tous gratuits. Les parkings sont tous gratuits, on va voir. On va voir si ça fonctionne. Bon, attends, faut attendre que... On va voir si le tram vient jusque-là, déjà. On a mis combien d'arrêts? On a mis un arrêt là. Est-ce que ça valait pas le coup d'en rajouter un petit ici, quand même? Pour que les gens, ils aillent vraiment dans le tram, quoi. Ah, mais l'arrêt est là, du coup. Ah oui, merde. Oh, tant pis, hein. Ça commence à rendre bien tes routes là, ça commence à avoir de la gueule. Bon là c'est un peu particulier quand même, je vous avoue, c'est un peu du bricolage. Hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Ah, ça fait d'où le parking relais, j'espère que ça va commencer à fonctionner le tram là, parce que bon, au bout d'un moment... ouais, au bout d'un moment, voilà, bah, oh, ouais, oh. Et bon, bah, et puis bon, faudrait qu'on construise des petits bâtiments ici, là aussi, ça pourrait être bien. Ça pourrait bien construire un petit peu aussi là. Est-ce qu'on ferait pas une grande zone piétonne avec des grands bâtiments et puis des parcs? En mode un peu tour, un peu ce qu'on a fait ici, mais avec des grands parcs en plus. Alors attendez, est-ce qu'il faut terraformer déjà? En vrai un peu, mais ça va. Ouais, si, un peu, carrément même. Carrément terraformer, vous faire une petite zone ici, une zone habitation là, de l'autre côté du périph. Tac. En vrai, c'est assez grand là, je pense qu'on va pas faire non plus une zone trop grande. Avec des petits parcs et tout là, ça pourrait être pas mal. En mode piétonne, hein. Ouais, ça j'y tiens, une route en mode piétonne là, un quartier de petit tour proche du périph, ouais classique quoi. Non mais quoi, ils sont vachement mal desservis, quitte à mettre des écoles et tout aussi hein. Tac, là on pourrait mettre des petits parkings, alors attends, petit parking pas du tout, des petits parcs, même des grands parcs en vrai. Non. Ah. Excuse-moi, c'est ma porte d'entrée qui s'est ouverte, ça m'a fait peur. Ah, pas mal ça. Attends. Non, mais mets-toi dans l'autre sens, mon con, là. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'aime bien. Ça fait une zone piétonne, comme ça. Ils seront calmes, ici. Mais oui, ils seront calmes, ici. Il y a le tram, en plus. C'est top. Attends. Ah, et le parc aquatique.
J'avoue qu'on pourrait faire. Ah non, mais sinon, on fait une zone touristique. Ah, mais du coup, le parking ne sert plus à rien. Ah, le tram arrive là. Est-ce qu'il y a des gens au prochain arrêt? Ah, il y a 200 personnes là. Qu'est-ce qu'ils foutent 200 personnes là? Ils vont où? Alors attends, il faudrait qu'on mette un tram avec feu priorité au transport en commun. Mais on peut pas faire ça. Oula. Est-ce qu'il y a des gens qui vont descendre là? Et comment ils descendent? Ils traversent la route. Oui. Oui, ils vont chercher du boulot quoi, comme Macron. Ah, ça c'est bien. Ils traversent la route, ça suffit. Ouais, pas besoin de plus, hein. Pas besoin de plus. Il a bug le tram, je sais pas pourquoi. Alors attends, il va s'arrêter là aussi. Ah, c'est pas mal pour rentrer dans les parkings, les trams se croisent pas. Ah, c'est bien, hein. Attends, il va jusqu'où comme ça là? Attends, mais je l'ai pas sélectionné. Attends, fais voir. Là. Donc là, il va prendre les gens au milieu. Nickel. Ok. Là, ça part du parking relais. Joli parking relais quand même, hein. Il y a des zones plus dégueulasses en parking relais. Là, feu vert, il passe. Oula, à gauche, pont. Ouah, ça fait un petit virage dégueulasse. Donc là, pont à côté du maxi échangeur. Ok, ça c'est cool. Voilà, voilà, on est en x1 là. Donc ça c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui prennent la route piétonne. Ça c'est une bonne idée aussi. Par contre, c'est au niveau du rond-point où ça me fait un peu peur le tram tour là. Oula, 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 ouais, là ça va pas ça. Ouais, ça va pas ça. Mais bon, c'est pas grave, on modifie après. Là, il se réarrête. Ah, mais il s'arrête pas là? Bah, il fonce. Il fonce comme un dératé. Oui, il passe au milieu des ronds-points, je sais, c'est pas normal. Oh le bordel là. Bah, attends, il s'est pas arrêté là-bas. Ah, il va au dépôt. Oh, il va au dépôt. Il va au dépôt, non? Qu'est-ce qu'il fout? Oui, je pense qu'il va au dépôt, lui. Je pense qu'il va au dépôt. Mais il y a des gens dedans. Il va pas aller au dépôt alors qu'il est plein. Si? Ah non, il va pas au dépôt. Non, il continue. Mais pourquoi il s'est pas arrêté à l'arrêt d'avant? Mais il s'arrête à aucun arrêt? Ah si, il s'est arrêté, là. Je comprends pas bien son lore, hein, oui. Il s'arrête pas s'il y a personne au quai, s'il y a personne qui descend? Bah là, il y a un quai en plein. Ah ouais? Mais c'est trop chiant! Les trains de l'emploi, c'est méga dangereux quand même. Oui, oui, bah en fait, il faudrait. J'ai oublié de remettre l'arrêt, là? Ah putain, bien vu, j'ai pas mis l'arrêt. Ok, c'est ma faute. Hop là. Alors attends. Voilà, j'ai oublié de remettre l'arrêt. Ok, c'est ma faute. Par contre, effectivement, il faudrait mettre des ronds-points où il n'y a rien au milieu, du coup. Hein. Genre ça, quoi. Ah ouais, ouais, ça enlève les arbres, mais. Mais au moins, ça fait moins bizarre, quoi. Ah oui, non, mais c'est vrai que. C'est vrai que. Ça fait bizarre si tu laisses les. Là, c'est mieux comme ça. Déjà. Eh ouais, c'est vrai qu'avec les arbres au milieu. Ouais, ouais, c'est vrai que ça fait pas ça fait un peu chelou, quoi. Ah, là, ça fait moins bizarre quand tu mets des arbres. Donc, tu enlèves les arbres. Ouais. Bah, pas forcément plus gros, mais au moins qu'on voit les lignes de tram, quoi. Ouais, c'est mieux comme ça, quand même. Ouais, c'est mieux. It's better. Ça fait plus réaliste, quoi, parce que techniquement, un tram... Alors, par contre, là, ça va pas. Là, finalement, ça va pas. Ouais, ce virage, il est beaucoup trop serré. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Ouais, sur la route, ça fait chelou aussi. De quoi? Bah là, c'est moins choquant, là. Parce que les trams, on les voit. Les rails, on les voit, moi. Il faudrait qu'on fasse passer le tram comme ça, en fait. Et qu'on le fasse passer, la limite... presque comme ça, quoi. Et ouais, mais ça va faire un bug aussi, là. Fais-le retomber direct sur le rond-point. Ah non, merde, c'est tout pété. Bon. On peut faire... Je réfléchis là, arrondir la route à la base du pont. Voilà, on dégage ça. Attends, il y a peut-être un coup à jouer là. On dégage ça et finalement on fait... Ah mais si, on peut faire arriver notre route dans le rond-point. Ça va être con ça. Ça c'est idée de con ça. Ah bah non, c'est pas si con ouais. Ah mais non, mais ça c'est pas la bonne route en plus. C'est laquelle? Oh, je l'ai pas renommé. Ah c'est celle-là, piétonne plus tram. Ah, c'est pas si con. Alors, c'est juste ça fait un gros bug là, du coup. Ah ouais, le bordel là. Ouais, non, c'est pas si mal comme ça, hein. On va être en vrai du coup en sens unique. Bah ouais, mais du coup, j'ai tout fait bugger là. Du coup, j'ai tout fait bugger là. Non, je suis pas sûr que ça fonctionne. Attends, fais voir. Mais si, mais c'est les trottoirs qui foutent la merde. Pourquoi ils sont pas de la même taille, les trottoirs là, entre les deux zones? Attends, fais voir. 4m50. Et ouais, c'est ça, ils sont pas de la même taille. Donc, faut que je les mette à 4m50 pour que ce soit moins bizarre. Non, c'est pas ça que je veux faire. Mais c'est là où du coup ils sont pas de la même taille non plus. Bon, ça fait quand même bugger tout, hein. Ça fait quand même tout bugger là. Là, ils sont à 4 mètres. Si je les mets à 4 mètres 50.
Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce bordel là? Mais là, pourquoi elle... Mais qu'est-ce qu'elle fait la route ici là? Oui. Oh putain, j'ai tout pété. J'ai tout pété, ça y est. Il a tout pété. Ah mais là non plus, c'est pas la même taille de route? Ah mais oui, parce que les trottoirs là, ils font 5 mètres. Il faut qu'on mette 5 mètres. Mais on n'a pas le choix. Hein. Voilà. Bah, comme ça, on peut mettre des arbres. La route au retour était plus simple au final. Ouais, en fait, non, c'était pas moins galère. Bon, trop tard, maintenant, c'est fait. Et, mais oui, c'est ça. J'ai ça, je dis rien. Non, mais dis rien. Oui, bah, de toute façon, maintenant, on va rajouter 50 cm de chaque côté. Et comme ça, on peut mettre des arbres en plus. Non? Pourquoi ça fait ça, là? C'est quoi ce bordel? Attends. Ah mais oui, parce que c'est en pont. Ah oui, c'est parce que c'est en pont. Je viens d'arriver, j'entends crier bizarrement. Mais non, mais c'est rien, Kenzo, t'inquiète. Oui, bah non, mais du coup, ça va pas. Mais attends, j'ai inversé un sens en plus. Là. Mais oui, c'est n'importe quoi. Attends, mais je me trompe de... Ah, voilà. Là, c'est bon. Ok, là, c'est good. Et maintenant, on remet notre route triple voie par d'ici. Voilà. Ok. Waouh, là je nous applaudis parce que c'était un beau bordel. C'était un beau bordel. Ouais, non, c'est corrigé. Putain, on a réussi à corriger notre enfer là. Ok, c'est bon, tout va bien. C'est pas mal, votre tram indépendant de la route, ça aussi, ça fait un sujet, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ok, donc là, ça... donc là j'avais commencé un parc. Il manque la route tunnel piétonne vers le stade. Ah oui, merde. Ah oui, c'est pour ça que c'est la merde aussi. Ah oui, elle fait chier celle-là. Oui, oui. Et oui, j'avais oublié celle-là. Ah, c'est celle-là qui fait tout bugger. Eh oui, c'est elle qui fait tout bugger. Chier, celle-là. Elle me fait chier. Ouais, on fait une route plus fine, en vrai. Tu sais ce qu'on va faire? Regarde ça. On peut partir de ça, là? Non, mais pas... Non, ça fait quoi, ça? C'est que de me bugger, ça aussi. Comment on peut faire, là? Bon, on va faire une route plus fine, hein. Attends, j'ai laissé un truc, là. On va faire une route bien plus fine. Hein. On va prendre une base comme ça. Tac. T'as vu qu'au Paralympique, on a déjà battu le record de médailles à Tokyo. Ah ouais, c'est vrai? En même pas une semaine? Putain, c'est rapide. Hein. Bah écoute, tant mieux. Bah on enlève ça en fait. On enlève ça. Voilà. On a une route déjà vachement plus fine. Là, on peut enlever le séparateur carrelé au milieu aussi. On n'aura pas besoin. Voilà. Et on a une route qui fait vraiment 8 unités. On va l'appeler route piétonne fine. Piéton fin. Voilà. Piéton et carré, ça aurait été peut-être pas mal. Piéton fin, c'est comme ça que c'est écrit? Ouais, ça ira bien. Ok, tac. Hop, bim, let's go. Et du coup, j'ai 3 pages de route, j'en peux plus. Ok, donc là, piéton fin. Voilà, oh nickel. Oh, c'est bien mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça. Et par contre, on enlève les feux. Ça, c'est honteux. Voilà. Hop, les nickel, putain, et... Je nous réapplaudis. J'ai eu plié. T'as mis cette route autour du sable pour avoir plus de voitures. Attends quoi? Ah, pour plus avoir de voitures, c'est vrai que je pourrais. Bah oui, mais non, mais les voitures, elles sont là pour livrer. Par contre, à chaque fois que. Ça, c'est toujours bugué, ça. Déjà, il y a toujours mon cercle au milieu de nulle part, là. Ça, c'est toujours. Voilà. Oh, le triple passage piéton. Ah oui, putain, il y a le triple. Ah oui, pareil. J'avais pas vu. Attends. Oui. C'est trop. Non, c'est trop. Voilà, on en met 15, ça suffira. Hein. Ouais, c'est bien. Quoi qu'on peut en mettre 2. Non, mais c'est bon, 1. Et... Non, on va laisser celui-là. Non, pas celui-là, celui-là. Voilà. Comment t'as skippé ton étage, comprends t'inquiète. Oui, bah, s'il y avait un modérateur, il aurait dû supprimer. 3 passages piétons, c'est beaucoup. Non, ouais, j'avais pas fait gaffe. Tant pour moi. Bon, bah voilà, c'est bien comme ça. Alors maintenant, c'est à voir si ça fonctionne. Hein. Mais ça fera à voir sur du long terme. Hein. Pour l'instant, on va avoir du mal à. Ça se remplit pas des masses. Donc, du coup, ici, en fait, je vais peut-être faire une zone. Est-ce qu'on ferait pas une zone un peu ludique? Alors, qu'est-ce qu'il y a, toi? Oui, j'ai fait des routes. Bah quoi? Pourquoi ça reste allumé, ça? La gueule! Ah, j'ai fait une nouvelle route, apparemment, mais je sais pas quand. Est-ce qu'on ferait pas une autre zone? En fait, par contre, si les camions peuvent plus livrer les commerces du stade, ça peut poser des soucis. Bah oui, c'est ça le problème. Tu veux m'ouvrir l'échangeur du haut, là? C'est un beau bazar. Alors, attendez. Attendez, je réfléchis. Il faut... Donc là, on a double parc. Ok, donc le parc, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre pour que ce soit un peu plus stylé, là? Souris, c'est tous de modération, t'inquiète. Comment on peut faire là? On peut rajouter des habitations le long en vrai, hein, sur une petite route piétonne là, sur la petite route piétonne qu'on vient de faire. Là, on peut avoir des habitations là, techniquement. Voilà.
Hop, et ça donne sur un parc. Et quoi, c'est pour le calme et la tranquillité. Hop, calme, tranquillité. Hop, ça donne sur un parc. Pas mal, hein. Après, t'as une station totale à côté du parc. Non, la station totale, elle est vachement loin du parc. Elle est là. Ah oui, là. Oui, là, oui, oui, mon massage, je sais, oui. Eh, ça marche bien, les trams, là. Hein. Est-ce que ça va être gêné? Est-ce qu'ils vont se gêner, là? Avec les routes. Et même pas. S'il y a un dev dans le chat, est-ce qu'il pourrait nous dev des passages à niveau de tram, par contre, ce serait top. Alors, j'ai overclocké un peu mon processeur. C'est pas mal, hein. Franchement, marche bien. Hein. Qui est William? Lui, c'est William. Moi, je suis pas William, mais qui est William? De quoi? C'est quoi la ref? Pas compris. Ok, donc là, ça va construire. Est-ce qu'on agrandit un peu plus ça? Parce qu'en vrai, ça fait une jolie allée. Ça fait une belle allée centrale, là. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc joli. On garderait pas les parcs comme ça, là? Attends. Mais je trouve que ça fait un truc sympa, là. Il faudrait juste qu'il se tourne, le parc, mais voilà. Là, on garde ça comme ça, là. Oula. Eh, je sais pas, je trouve que ça fait un... Bon, ça fait un peu carré. Mais ça fait une petite zone moderne, un peu. Avec des allées principales comme ça, là. Piscine, ouais, on pourrait mettre la petite zone de piscine ici, pas très loin du parking. Le parc aquatique ici, pourquoi pas. Ouais, mais c'est bruyant quand même, parc aquatique. On pourrait mettre le parc aquatique ici, hein. Des bureaux en tour. Des bureaux en plus d'habitation. Ah ouais, j'avais que ça ferait un peu zone de bureau, je suis d'accord avec toi aussi. Merde, je suis d'accord avec vous deux, comment je fais? Ah, comment je fais? J'ai un bug chez moi quand je mets des habitations sur les routes piétonnes, sans accès aux voitures, les médecins, les croquements, les pompiers et policiers passent plus, ça crée un bordel. Bah oui, normal. Ouais, mais là, moi, j'ai quand même laissé des routes où ils peuvent passer. Ah bah, oui, si, c'est bon. Si, sur celle-là, ils peuvent passer, donc ça va. Des bureaux, je sais pas. Une grosse tour. Des grosses tours de bureaux, des grosses tours... je sais pas, là, en vrai, je sais pas quoi mettre, là. J'avoue, je sais pas trop quoi mettre dans cette zone-là. Je la trouve jolie, mais je sais pas quoi foutre dedans. Alors, attends, on va la... Déjà, on va la faire bien carrée, là. Bien jolie, là. Ça, c'est du carré, ça. C'est un peu américain, là. Ouais, je sais pas trop quoi mettre là. Si on peut mettre des grosses tours d'habitation sinon. On va voir ce que ça donne. Ouais, je sais pas. Un héliport, mais pourquoi? Et puis mettre pourquoi pas des commerces autour des parkings par contre. Ça pourrait être pas décollant les petits commerces autour des parkings là. Grosse tour de. Ah, ça y est, ça commence à être utilisé mon échangeur là. On va voir le bordel que ça va être. Il va commencer à avoir du monde. Attends, les gens, ils attendent là. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. En vrai, ça, ce serait vraiment typiquement un petit échangeur. Un petit échangeur où on aurait du... Où je pourrais faire un petit timelapse, là. Enfin, pas un timelapse, mais un accéléré, là. Ça pourrait être joli, en vrai. Je ferai un petit TikTok là-dessus, là. Il y aura un peu plus de monde. Ça va être pas mal, je pense. Est-ce qu'on commence à voir les constructions, là? Ah, c'est pas mal. Oh, le bordel. Ça, c'est ça qu'on veut. Attends, je vais voir des gens qui vont de l'autre côté, moi. Eh, en vrai, ça marche pas si mal, hein. En vrai, pour l'instant, ça supporte une bonne circulation. Salut, Ethan, comment ça va? Ça supporte une bonne circulation, regardez-moi ça. Eh, non, c'est bien, hein. Bon, ça va vite être devenir le bordel, je pense, mais c'est pas mal, hein. Ouais, parce qu'il y a pas mal de feu. Bon, après, il y a personne qui va à gauche pour l'instant. Mais, parce qu'ils vont tous par là. Parce que pourquoi ils vont par là-bas? Parce qu'il y a rien, en fait. Eh oui. Ça vient très bien. Les feux, c'est une très bonne... Bah, il y en a beaucoup, mais finalement, comme ils sont bien cadencés... Voilà, ça, y a personne se gêne là, tu vois, ça passe bien. Et j'étais un peu sceptique au début, mais étonnamment, je trouve que ça marche bien. Ah ouais, regarde. Bon, il y a personne qui va de l'autre côté, c'est un peu dommage. Tu peux aller tout droit, oui, tu peux aller. Ah bah oui. Eh mais attendez, il y a un truc qui est débile. Attendez, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas du tout. Bah oui, on l'avait pas vu ça. Bah oui. Ils peuvent pas aller tout droit en fait. Ça va pas du tout notre histoire là. Attends. Bah oui, c'est quoi cette histoire là? Il y a un endroit où il manque un truc là. Si on regarde la photo là. Non, mais c'est quoi cette histoire? Parce que là... C'est beau mais pas pratique. Bah. Non mais il manque un bout, je pense. Il doit manquer un... T'as oublié un truc, oui. J'ai dû oublier un truc, c'est pas possible. Parce que s'ils peuvent pas aller tout droit, c'est con. Bah après, donc là.
Là, pour moi, là, on est là. Là, on est là, nous. Nous, on est là. Nous, on est là. T'as oublié une voie en bas à gauche. En bas à gauche, j'ai oublié une voie. Ah ouais, putain, il y a une route là, je l'avais pas vue. Oh, oh non, je suis trop deg. Il y a une route ici, en fait. Il y a une route qui part là et qui va là. Oh, oh là 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 là. Je l'avais pas vu. Salut Benjamin, comment il va? Bah oui, c'est vrai, je m'étais jamais posé la question. Ils vont pas du tout tout droit, les gens. Bah oui, ils peuvent pas. Il y a une voie là. Oh là là. Comment on va faire? Salut le nagreux, comment on va? On voit pas, il y a pas, on voit pas, il y a l'image. Ah bah oui, pardon. Je suis con. Non, en fait, ici. Ici, il doit y avoir une voie qui passe là. Mais attends, mais c'est complètement con. Attendez, je vais vous la remettre plus petite. Attendez, je comprends pas. Ouais, tu vois, c'est ça, là. En fait, faut leur autoriser à aller en face, sinon, salut la baguette, comment ça va? Faut leur autoriser une voie qui va... ouais, si on peut s'arranger. On... Oups. On peut s'arranger, on peut faire... ah, le con. Le mec est con. Regarde, on peut faire ça, à la limite. Voilà. Ah, c'est bon, ils peuvent aller tout droit, maintenant. En gros, la voie la plus droite, elle rejoint celle qui remonte de l'autoroute. Oui, en fait, celle-là... Elle... Ah bon? Bah non, parce que ça, c'est dans le sens inverse. Attends, j'ai pas compris ce que t'as dit. J'ai pas compris. J'ai mis une image sur le Discord. Ah, vas-y, aide-moi. Putain, aide-moi. Aide-moi. Oui, non, mais c'est celle-là. Mais bon, je l'ai rajouté, moi, mais en mode un peu triche, quoi. Ah oui, en fait, il faudrait rajouter une autre voie, oui. Oui, en fait, il faudrait mettre une voie. En fait, techniquement, j'utilise demain l'échangeur. Bah, tu me prendras une photo, s'il te plaît. En fait, techniquement, il faudrait qu'on ait une voie qui fasse ça. Mais c'est impossible, là. Là, le jeu, il va pas supporter, là. Tu vois, il faudrait qu'on ait une voie qui fasse ça, mais je pense que là, c'est moche, je comprends rien l'échangeur. Mais si, t'inquiète, c'est normal. Ah, regarde, du coup, par contre, ça bouchonne maintenant. Ah, merde. Ok, j'ai rien dit. Je reviens sur ce que j'ai dit, ça marche pas du tout. Ok, autant pour moi. Allez, c'est... Oh putain, oui, la vache. Oh, pas mal. Non, mais si, c'est logique, en fait, vous inquiétez pas. L'échangeur est logique. Oh, le bordel. Modifie ta route, elle est trop bonne à côté pour aller tout droit. Trois voies. Ah oui, on peut mettre trois voies là. Ah ouais, putain, ouais, j'avoue, on peut faire ça. Ouais, tu fais une 3x2. Ouais, on peut faire ça. Ouais, putain. Yes. Alors, attends, je vais mettre en pause. On va rajouter une... Attends. Voilà. Jamais. Alors, d'après ce que... Je sais pas si j'ai le droit de le lire, ça, mais je vais le dire parce que, en vrai, ça vous concerne. Pour ceux qui savent, demain, il y a une mise à jour qui sort 10h. Grosse mise à jour avec pas mal de correctifs, etc. La plupart... Ils ont fait des tests. La plupart des mods seront compatibles avec la mise à jour de demain. Voilà, je vous le dis. La plupart des mods seront compatibles. Donc, ne vous inquiétez pas, il y en a 3 qui ne seront pas disponibles. Il y aura Map Texture qui ne sera pas fonctionnel. Extended Extra Landscaping Tool. Il y en aura 2-3, en vrai. Voilà. D'après ce qu'ils ont checké, visiblement, les mods fonctionnent. Alors, moi, je n'ai pas checké parce que j'ai eu la flemme. Mais visiblement, ça marche. Attention, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Que j'ai vu. Donc là, j'ai utilisé en comme modèle ou pas? Je sais plus. Non, je crois pas. De toute façon, je crois qu'elle a utilisé que là, celle-là. Donc, on rajoute une troisième voie de voiture. I, c'est bon. Ok. Alors, du coup, faut que je refasse tout le carrefour. Ok, nickel. Je suis content. Ok. Allez, on refait ça. C'est pas grave, c'est que la millième fois. Donc, attends. Donc là, on met une voie qui va ici et les deux voies qui vont là. Ok. Ah, comme ça, c'est bon. Oh, ça va être un bazar. Ok, là, ça va là. Là, ça va là. Et là, ça allait à gauche? Non, attends, je sais plus, merde. Attends, je sais plus. Ça, ça va ça. Ça, ça va là. Et celle-là, elle va où? Zo, mais je me méfie, je préfère partir du principe qu'elle me sur un HS. Oui, oui, effectivement. Ouais, c'est ça, hein, les deux, elles vont là, celle-là. Voilà, c'est bon. Ok. Ok, c'est bon, on a corrigé le problème. Magnifique. Je vous applaudis encore une fois. Ce soir, on est comme une masterclass. Voilà, on fait des masterclass. Ok, donc là, c'est bon. Voilà, c'est bien. Par contre, les mecs, vous faites pas demi-tour là. Ça, c'est no way. Ah oui, mais attends, ça m'a tout bougé là aussi. Merde. Heureusement que j'étais là. Heureusement que t'étais là, ouais, parce que sinon. Attends. Ouais, vous avez pas allé là, vous, hein. En fait, si tu veux aller là, bah, c'était con. C'est bon, ça c'est bon. Est-ce que. Ouais, si c'est bon. Salut Néophile, bienvenue à toi, comment ça va? Non, c'est bon, là, je pense qu'on est bon. Là, c'est bien. Ok, alors ça va être un gros bordel, du coup. Ah ouais, en plus, il y a le tram, là. Alors, est-ce que les gens se garent? Ouais, mais alors, en fait, les gens qui se garent là, c'est les gens qui habitent là, je pense.
suis pas sûr de l'utilité concrète de mon parking relais, je vous cache pas. Mais bon, au moins il est fait. Je voudrais rajouter des bandes. Je voudrais pas que les gens se garent sur les bords par contre. Susboule. Merci à The Louis pour le 21ème mois. Merci à toi pour la générosité de soutien pour la chaîne. Pour la plus vieille sub de la chaîne, je pense. Hein. Non, pas en âge, hein, je veux dire en nombre de mois. C'est depuis le début ce croisement de Garnet, c'est heure, je t'en ai parlé lundi soir. Ouais, non, mais j'avais pas fait gaffe. J'avais point fait gaffe. Et bah, ça fait les grosses tours. Ok, qu'est-ce qu'il a lui? Il n'y a pas de connexion? Comment ça? Pas d'accès piéton? Bah, à quel moment? Donc, cette zone, je sais pas si je l'aime bien en fait. Parce que j'ai fait des grands parkings, mais je suis pas sûr des tours. En fait, je suis pas sûr d'aimer ces tours. Non, ouais. En gros, c'est, on est d'accord parce qu'il existe déjà le patch 4K. Oui, alors, il y a Joe Mythology Retold. Je l'ai, moi. On me l'a envoyé en clé. Je vous avoue, j'ai pas testé encore. Mais il faudrait que je vous le fasse en stream parce que sinon, j'aurai les problèmes. Mais ouais, j'avoue que je pense que c'est une version Retold. Alors, je pense que c'est juste une version remasterisée. Donc, j'ai pas trop l'intérêt, mais. Ou des commerces au pire, mais des commerces on a déjà plein de l'autre côté quoi. Ah, on pourrait faire une passerelle piétonne entre les deux par contre là. Attendez. On pourrait faire une petite passerelle piétonne entre là et là. Ah mais un peu plus haute quand même parce que là faut que ça passe par-dessus quand même. Voilà, entre là et là. Voilà, comme ça les gens ils peuvent passer au-dessus du pont. Ah, pas mal. Ils peuvent traverser comme ça. Ah bah des bureaux sinon ouais, mais des bureaux middle taille. Ouais, on va faire des bureaux. On va faire quelques bureaux là, voilà. Allez, un petit bureau. Ouais, cette zone là, je sais pas trop quoi lui. Alors, attends, on va mettre des bureaux. On va mettre des murs là. On va mettre des murs là. Et là, je peux pas mettre de murs là. Let's go. Bah tant pis. Les filles vont pouvoir flasher du pont. J'ai un doute sur la hauteur du pont pour les poids lourds. Oui, bah là, effectivement, il y a un petit souci. Ouais. Attends, on va le refaire. En plus, j'ai mal fait mon pont là. Oh, bon Dieu. Attends, tac. Les gens peuvent passer au-dessus de la route, pas du pont. Oui, attends, on va faire un pont en virage. Allez, qu'est-ce qui se passe? 7m50, c'est bon, là? Ça fait... Non, c'est pas ça que je voulais exprimer, c'était ça. Non, c'est ça. Non, je sais plus, c'est ça. Oh, il me casse les couilles, c'est ça. Voilà. Connecte-toi, là. Voilà, là, je pense que ça passe. Pas, passe pas. Si ça passe, les camions, ils passent, c'est juste que, par contre... Là, c'est ça qu'il faudrait relever un chouïa. Voilà, là c'est mieux. Ok, là c'est good. Par-dessus le mur. Ouais, nickel. C'est bon. Impeccable. Ouais, nickel. D'après, à voir si l'opage les batailles. J'attends ton stream avant de le prendre. Si c'est un mec, c'est forcément le coup en soi. Je sais pas si on le fera pas vendredi matin du Age of Mythology parce qu'il sort demain. Du coup, on en fait pas demain. Du coup, j'ai mis des bureaux là, mais il n'y a pas de demande. Donc ça va mettre un peu de temps à construire. Voilà, ok. Bon, là, c'est un méga bouchon maintenant. Super. Bon, en tout cas, mon parking, il fonctionne ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent le tram, en fait? Ah oui, il y a des gens qui vont dans le parking. Regardez ça, ils sont pleins bientôt, là. Ah non, il n'y a qu'un qui est plein. Mais est-ce que, du coup, il y a du monde aux arrêts de tram? Ah, il y a du monde aux arrêts de tram, mais je pense que je suis sûr que c'est des gens qui habitent ici, en fait. Donc, en fait, ça sert à rien, ce que j'ai fait. Mon parking relais, il est inutile. J'ai vraiment fait de la zob, quoi. Regarde. Bon, c'est fait, hein. Et pas ce que je voulais faire dans cette zone, j'avoue. Pour info, le terminal d'impôt sur autoroute est 4,75. Ouais, là, je suis bon, là. Ouais, là, je suis bon, là. Ok, là, c'est bon, ça résout le problème. Du coup, faut que je dégage ça. Non, mais attends, on va pas mettre de zone, là. Voilà. Ta gueule. Ah, mais c'est toujours bugué, là. Il me fait chier, lui. Je sais pas ce que... Quoi penser de cette zone, là. Je sais pas, elle me convient pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est un peu... Je sais pas, il y a un truc qui a pas. Les parcs, c'est pas mal, mais... je sais pas, il y a un truc... Bah, elle est bizarre. Les parkings, ça va, mais c'est trop carré pour moi, là. Je comprends pas l'idée. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Retire l'accès aux voitures sur la route piétonne. Ah, là, là. Mais non, il faut. T'es obligé. Mets des arbres et hop, c'est plus beau. Ouais, mais non, je sais toujours pas. Oula, il y a un accident en plus là, let's go. Ouais, non, bah il est flic là, qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais, il y a du monde qui rentre dans le parking, mais je sais pas si c'est pas des gens qui habitent là quoi. C'est ça le problème, parce qu'il y a quand même beaucoup d'habitants là. Hein. 300, 300, 600, 600, 1200, plus 300, on est à 1500 personnes. Non, mais à château, on a déjà un. On va pas mettre deux châteaux au même endroit, ça va peut-être aller maintenant. Avec des jardins, ouais, bah on a déjà mis des parcs là. On a déjà mis des grands parcs là, sympathiques, où on peut traverser en plus, sont jolis mes petits parcs là.
Ouais, non, mais on va laisser comme ça, en vrai. Par contre, j'ai mis beaucoup trop de feux, là. Les trois feux, c'est peut-être un peu trop. C'est quelle map, SCP? C'est la map Le Valbois. C'est une map que j'ai créée moi-même. Oui, il est fort que les bouchons soient causés par tous les habitants des nouveaux bâtiments, en fait. Oui, 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 je pense. Bah, non, pas tant, parce qu'il n'y a pas tant de gens qui tournent à droite, là. Ouais, par contre, c'est ce carrefour, là. Il est magnifique, quand même. Enfin, je mets en x3 pour voir. Bien que c'est le même sauf avec un lifting et des nouvelles situations et des bricoles, donc chaud pour voir vendredi matin motivé. Allez, vas-y, on fera ça mercredi matin. Vendredi matin, je pense qu'on peut faire ça. Ou en deux parties. Je suis le parking est symétrique. Si c'est symétrique, hein. Ah, de la faible densité. Les routes sur le jeu, faut les voir comme une rue en France qui sont avec ses pour être des zones de rencontre. Ouais, je suis d'accord. T'as mis quoi comme ref? Mirabel, ici, Glantine. J'ai pas la ref. J'avoue, sinon on met du. J'avoue, sinon on met une zone. On va tout virer. Et on met une zone. Ouais. On va tout virer là. Ouais, non, ça me va pas. On va tout dégager. Voilà. Je dégage tout. Aïe. Super. On va tout dégager en fait. Ouais, je tout virerai. Le parc est à l'envers, ou ça en bas à gauche? Pour lequel? Celui-là, il est à l'envers? Ah, celui-là, il est à l'envers. Oui, celui-là, il est à l'envers. En bas à droite. Oui, ok. Celui-là est à l'envers, effectivement. Attends, faut que j'arrive. C'est qu'il veut pas forcément. Voilà. Là, c'est bon, il est plus à l'envers. C'est tout mon adolescence à OEM et César aussi. Ah oui, Kaiser, oui, je vois ce que c'est. Mais j'ai jamais joué, moi, c'était plus Age of Empires, mon enfance. Ok. Bienvenue à tous ceux qui l'enjoignent, bien sûr, hein, comme d'habitude, que ce soit côté Twitch, côté TikTok. Une zone d'attraction, je suis peut-être plus chaud, en fait, de faire une zone. Je sais pas trop. Attends, petite route piétonne, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est laquelle, ma petite route piétonne, là? Elle est où? Celle-là. Là, voilà, tac. Je suis peut-être plus chaud de faire, effectivement, une zone avec des parcs, ouais. Salut Pierre, mon autisme, ça dopamine. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Je comprends ça, ne t'inquiète pas. C'est quoi le record de viewers sur un live? Le record de viewers sur un live, c'était sorti de Cities Skylines l'année dernière, 560, 550, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc émettre, ouais, pourquoi pas une zone de parc. En vrai, le parc aquatique ici, ça ferait pas mal. Eh bah oui, j'aurais le même problème, je suis con. Bah oui, non, je peux pas le mettre sur une allée comme ça, faut que je le mette sur une allée ici. Ah mais non, ça va pas. Non, ça va pas ça. On va le mettre ailleurs. On va le mettre là pour l'instant. En fait, oui, les voies piétonnes, il a raison, elles fonctionnent pas. Elles fonctionnent pas si tu mets pas. Ouais. Pas des vraies voies. Enfin, si, c'est des voies piétonnes, mais. Des voies. Oui, oui, non, mais il faut les. Oui, oui. Et du coup, j'ai trop de voies là. Du coup, elles servent à rien celle-là en fait. J'enlève. Change d'avis beaucoup. Ça, je peux savoir quoi faire de la zone sinon. Non, mais sinon, si on met une zone aquatique. Ah, mais j'ai pas de route là, c'est chiant. C'est ces parcs qui me font chier. Bon, attends, je remets une route là. C'est des voies de centre-ville en gros. Ouais, ouais, même pas en vrai. Tac, voilà. On peut trouver les modes utilisés. Où peut-on trouver les modes? On peut retrouver où les modes utilisés? Sur le Paradox Mode. Là, on met ça. Avec un petit parc devant, la zone aquatique. Voilà, mettons. On rajoute. Une galerie d'art. Oh putain, j'ai oublié que le bâtiment est gigantesque. Je sais pas moi, un clocher, un bâtiment comme ça là. Rien de ça, ça passe nickel là. Bon, on se demande un peu ce qu'il fout là quand même, ouais. Ouais, ça fait bizarre. On met une piscine. Bah j'ai déjà mis un parc aquatique. Quoi, on met une piscine à côté. Petite pool indoor, une piscine intérieure là. Une double piscine. Double pistoche. Voilà, on dirait une serre d'ailleurs. Putain, je sais pas quoi mettre d'autre. Je sais pas quoi mettre d'autre. Non, mais des parcs, j'en sais rien, moi. Des ruines de château. Non, qu'est-ce qu'on peut mettre? Une banque centrale, le bureau de l'aide sociale, non. Pff, une école. Un stade de baseball, ouais. Un stade de baseball, oui, pourquoi pas. Non, oui, non, oui. Un terrain de football américain, non. Une piscine communale. Mais je peux mettre trois piscines. Non, mais attends, c'est n'importe quoi. C'est un petit statut là. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas, ça donne un truc. Non, ça finit par ressembler à quelque chose ou c'est toujours de la merde? Ah, mais la grande roue! En vrai. Ah, bah oui, attends, vas-y, c'est bon, j'ai une idée. Attends. Oui, ça fait 4 piscines, c'est un peu trop. La grande roue là. Attends, regarde. Oh merde, tiens. Fais chier celle-là. Un musée, ouais, ou un musée. Une zone de musée. Une zone avec la grande roue. Ouais, mais la grande roue en bord d'autoroute, c'est nul. Non, non, c'est de la merde.
T'imagines, t'es tranquille, tu payes ta grande roue 20, 30 balles là, et ta vue c'est sur une route. Non, c'est nul. Des chiottes. Non mais plus une guinderie d'art à la limite. Un hôtel, bon. Là, à la limite. Galerie. Ouais, mais pareil, galerie d'art en bord d'autoroute. C'est pas un truc que tu vas faire en bord d'autoroute généralement. Quoique, ça peut donner un petit style, hein. Attendez, bougez pas. On a peut-être un coup à jouer là avec les parcs. Je sais pas, j'ai envie de tenter des trucs avec les parcs là. C'est plutôt dans le centre égaré comme ça. Ça là? Bah ouais, je suis d'accord, mais bon. Avec des giga jardins, bah on continue ça là. Ouais, c'est vrai que. Non, mais c'est de la merde. Non, c'est de la merde. Ça m'a saoulé. Voilà. Je rase tout. J'ai tout rasé. Ça m'a saoulé en fait. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Je sais pas, elle ne m'inspire pas cette zone. Tu en rajoutes des habitations autour. On va la mettre ailleurs, la galerie d'art. Bon, les centrales nucléaires ici n'ont peut-être pas que des habitations. Non, mais déjà, on va voir les parcs. King, on va voir si ça fonctionne. La conférence à Lyon est au bord de l'autoroute urbaine. Oui, c'est vrai. Historiquement, la galerie a peut-être pu être construite avant l'autoroute. Ah, maintenant que j'ai tout rasé, ça fait chier. Mais oui, c'est vrai qu'il a pas tort. Ouais, parce que je ferais bien une zone musée, mais je la ferais plus ici, tu vois, dans une zone comme ça, entre deux, ou même... Tu vois, parce que l'affaire ici, ça fait vraiment, je sais pas... Un lac? Oh non, on va pas encore faire un lac. Tu vois, une zone de tourisme, mais en fait, ce serait bien adapté au centre-ville, là, mais là, je sais pas, on va la mettre, hein, vu la taille du bâtiment. Tu vois, je ferais plutôt une zone ici, moi, à côté de l'université, comme ça, on recolle tout après, on fait passer le tram au milieu, tu vois, il y a peut-être un coup à jouer plutôt ici. Alors, attendez, là, faut vraiment qu'on terraforme mieux, là, c'est dégueulasse. La galerie d'art a plus de chance d'être dans un centre-ville et le date. Ouais, quand même. Hein. Après, ça fait très galerie d'art américaine, quand même. Mais bon. Un fleuve. Ah non, je mets pas... Oula. Je mets pas un fleuve. Hein. Merde, j'ai fait de la chiasse, là. Ah, pourquoi ils ont pas laissé le contrôle Z? Ah non, je fais pas un fleuve. Hein. Ah, j'ai fait de la merde. Ah, je suis un couillon, là. J'ai juste voulu adoucir, là, et j'ai fait de la merde, là. Attends, on va essayer d'adoucir un peu, que ça fasse moins bizarre. Et oui, j'ai vraiment... ouais, j'ai vraiment fait de la merde, là. Ah, quel couillon je suis. Bonsoir, c'est le facile, comment ça va? Bonsoir. Ouais, mieux comme ça, déjà. Toujours chiant à terraformer les grosses collines. Oh la vache, la taille de la colline, là. Une colline, là. Et là, faut rajouter des murs. Attends, on va mettre des routing walls. Routing wall here. Voilà. Ça fait quand même un petit style quand tu mets des retenues de murs. Hein. Ok. Non, mais moi, je ferais bien toute une zone là. Ouais. Je ferais bien toute une zone là, par là. Voilà. Je trouve que ce serait pas déconnant, en vrai. Et en vrai, on pourrait... ouais, mais c'est le truc, c'est que le terraforming, là... Un mur de montagne, super concept. En fait, c'est qu'on a rien de plat, ça qui est chiant. Parce que là, c'est vraiment la zone de dépôt, là, non. Ouais, non, mais si, là, ça peut être bien. Hein. Là, ça peut être bien, mais faut faire une zone de plate, quoi. Ah, si, dans la continuité de la zone ici. Ouais, non, je sais pas. Et si on les repas en face des parkings, on en pense quoi? Non. Ah, quoi que si, on pourrait faire l'aéro... Non. Non, je suis pas déterminé. Non. Je t'ai envoyé un MP sur un truc pour AOM. Retour sur ce qui a été modifié et mis en place. Ah, merci. Ouais, c'est un jeu pour les amants qui pourraient foncer dans les buildings. Ouais, voilà. Un endroit genre lac forêt. Bah c'est vrai que là ça ferait plus une petite balade, tu verrais plus une zone de parc sur une zone comme ça quoi. C'est tellement mal terraformé. On a déjà la zone ici, on va pouvoir ajouter des arbres d'ailleurs ici. Hop, on va mettre quoi? On va mettre des halls un peu. Je change des arbres un peu. On va mettre des arbres long de la route là pour le bruit. Ah quoi que les halls c'est pas ouf. Des chaînes, on va mettre des chaînes. Si on fait une grosse forêt là pour cacher un peu la misère là. Je vote aussi parc. Ouais, je serais plus sur une zone de parc là. On met des arbres et on met des routes piétonnes qui montent et qui descendent à la limite, tu vois. Non, zone indus, non, zone indus. Ah, quoi que de l'autre côté ici là. Bref. Non, mais pas mal d'arbres. Ça fait beaucoup d'arbres. On met même des bouleaux. On met des gilets de bouleaux également. Même jusque là en vrai. Là aussi en vrai. Bah non, les arbres c'est vraiment mon cache-misère moi dans le jeu. Hein. Un fleuve canalisé? Un canal du coup? C'est ça que tu veux lire? Un fleuve canalisé. Oh non,
leur ajouter un max d'arbres. Voilà. Ouais. Là, ça fait une belle zone de forêt quand même. Hein. Je me fous pas de votre gueule quand je dis que je mets des arbres. Là, pareil aussi, ouais. Même à côté là, du stade de foot et tout là. Voilà. Et là, ça va attirer les loups et les prostituées. Non, mais t'inquiète. Donc c'est dans ma ville là, la prostitution c'est légal. Non, pas là. Par contre, c'est légal mais contrôlé. Parc forestier, ouais, voilà. Et là, tu mets une belle zone d'armes. Et puis au milieu, un jour serait possible des assets genre piste de karting ou F1. J'aimerais bien, sérieux. Bah, il y en avait dans Cities Skylines 1 via des mods. Après, c'était un peu chiant. Bah, peut-être un jour. Hein. Ah, la grande roue au milieu, ça peut être pas mal, j'avoue, pour le coup, là. Mais bon, ça a toujours une vue de merde, quand même. En fait, la grande roue, elle serait bien à la place du château ou par là, quoi. Mais c'est vrai que la grande roue, ça peut être pas déconnant, là. Attends, on fait voir. Parce qu'elle est pas si grande que ça. Ouais, si, elle est grande, quand même. C'est légal, mais seulement pour le maire, c'est que je lui ai dit. Non, moi non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, le côté au... Salut, Zwitsi. Pour moi, la prostitution, étant donné que c'est impossible à contrôler et que de toute façon, quoi qu'on fasse les autorités, c'est comme le cannabis. Quoi qu'en fasse, de toute façon, les gens en consommeront. Donc plutôt que de faire genre eh « Non, il n'y en a pas dans notre pays », alors qu'on est l'un des pays qui en consomme le plus en plus, pourquoi on ne légaliserait pas tout ça, mais en mode contrôlé, quoi. Genre, c'est un vrai métier, quoi. Elles ont une assurance vie, elles ont une assurance santé, elles ont tout ça, quoi. C'est genre un vrai métier, quoi. Elles ont une mutuelle, elles ont... voilà, comme tout le monde, quoi. Non, mais excusez-moi, en fait. Tu les utilises pour faire payer des impôts. Ouais, non, mais voilà, pour les protéger, surtout, en fait. Pour qu'elles aient des horaires de travail légalisés, qu'elles fassent... Voilà, tu vois. Un vrai truc, c'est pas comme un Mac qui l'est... Enfin, tu vois, un truc comme c'est maintenant, quoi. Est-ce que la grande roue, mieux comme ça, avec un petit lac devant, ça peut être pas mal, ouais. Alors là, c'est vrai que je sais pas où la mettre. Attends, après, est-ce que t'as une vue sympa de la... Que ce soit plus les cervelles, exactement. Moi, je comprends pas qu'on n'autorise pas ça. Hein. Et surtout que les politiques cassent pas les derniers. Hein. Et tu vois, ça fait pas une vue full folle quand même. Hein. Tu vois, une grande roue, faut que ce soit joli, un endroit où c'est sympa. Là, je trouve pas que ce soit le coin le plus sympa de la ville pour être une grande roue. En vrai, là, elle est trop bien, la grande roue. Ah ouais? En Hollande, ils consomment moins qu'en France. Bah oui! Non, mais c'est clair! Le fait d'interdire un truc, ça donne encore plus envie aux gens. Ouais, vous la voulez là, ici? Un peu en hauteur, peut-être un tout petit peu décalé pour le terraforming. Mais ça peut être pas mal par là. Ah merde, ça me laisse une zone vide. On met la galerie d'art en plus au milieu là? Ah, j'avoue! Une zone. Ouais, pourquoi pas? Elle est mal placée. Mais moi, je trouve qu'elle est mal placée là. Mais par contre, on pourrait mettre la galerie d'art ici. Moi, je la trouve pas follement. En fait, je trouve que ça. Ouais, on pourrait mettre la galerie d'art au milieu ici, au milieu de la... Ah, pas mal la galerie d'art ici, en vrai. Et ouais, elle va bien avec le reste, je trouve, pour le coup. La galerie d'art, je trouve qu'elle est... Elle est pas dans le bon sens, par contre. Quoique, la déforestation commence. Ça va, je viens d'en planter plein. La galerie d'art, je trouve que c'est mieux. Avec un petit... Attendez, avec... Non, mais attendez, j'ai pas fini. Attendez. Pourquoi c'est en hauteur, ça? Avec un petit zone de parc comme ça, là, au milieu de ton parc. Alors, peut-être pas ça, là, peut-être plus là-haut, ça. Voilà, avec ça au milieu, et puis un petit truc comme ça par là, genre. Là, ça fait une petite zone un peu culturelle. Je sais pas si ça existe vraiment, mais... Galerie d'art plus grande roue. Tu vois ? On pourrait faire une petite place devant, ce serait magnifique, bien sûr ! Galerie d'art au milieu d'une forêt, bah pourquoi pas. Ouais, mais la grande roue, tu vois, je trouve qu'elle est énorme, mais elle est... Non, ça va pas ici. Je suis désolé, moi je trouve que ça va pas. Ouais, tu la fous là, attends. Vous montrer. Bonsoir, sister. Salut, Nicole Gounes. Dans la zone où tu as mis les piscines, où tu voulais pas mettre une zone à grande densité? Bah, à la base, si, mais j'avoue, j'étais indécis. Je suis indécis, vous savez. Tu vois, la grande roue à côté du château, elle aurait du style, par exemple. Tu vois, t'imagines la vue que t'aurais là? C'est quand même vachement plus stylé. Tu la foutre en bas. Non, mais pardon. Propose, moi, après, à vous de juger. Hein. La grande roue, pour moi, c'est dans le centre, ouais. Tu vois, là, avec le parc, il est un peu enterré en plus. Tu fous un petit lac à côté là. Bon, alors là, ça va être un peu chiant à. Attends, la galerie d'art dans la forêt, moi je trouve pas ça choquant. Si vous trouvez ça choquant, vous? Moi je trouve ça bien en vrai, ça fait un peu genre. Ouais, ça fait une petite zone culturelle où tu viens de balader, tu fais un petit tour au musée, tranquille. Après, tu peux faire un petit tour dans les monuments autour. Je pense que mettre le château dans la forêt et la roue à la place du château. Ah, ça c'est pas con.
Et là devant, on fait une route. Alors piétonne plutôt. Ouais, c'est une zone piétonne par contre. Hein. Bon. Ouais, je vais me faire chier à faire la route là. Ouais, comme ça là. Voilà. Et devant, à la limite, qui t'a mettre un parc derrière. Peut-être pas mettre ça là, mais peut-être mettre ça. Ouais, on va plus par là. Et là, qui t'a mettre un parc derrière dans le prolongement du bâtiment en fait. Ça, ça me fait une zone un peu sympa là. Bon, ça, il y a une terraforming qui va faire chier. Hop, les. Voilà. On fait une zone un peu sauvage et une zone un peu musée, je sais pas. Alors, fais voir. Et là, on a un grand parc derrière. Genre celui-là. Dans le prolongement du. La galerie d'art. Tu vois, tu mets un grand parc comme ça. Alors, il faut que je le retourne, bien sûr, mais. Là, comme ça, là. Je crois qu'il a bugué. Non, ça va pas. Bah si, ça va, mais c'est la rentrée dans le parc qui ne va pas. Elle est où la route? Là, voilà. Faut pas le Bréjean Help. Mais non, c'est pas Bréjean que ça s'appelle, c'est Valbois. Là, il va. Voilà. Regarde ça, dans le prolongement du parc, et là, on essaye de faire une... Non, ça peut être pas mal, hein, je sais pas ce qu'ils en pensent. Ouais, ça fait une grande zone de parc. Pour info, je t'ai découvert par, TikTok et puis j'essaie de te suivre au maximum sur Twitch. Franchement, quand tu es comme ça, tu es au top. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bien sûr. Salut Trinita, comment ça va? De toute beauté, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, faut juste terraformer un peu, par contre. C'est pas très beau. C'est dégueulasse, mais on va terraformer ça pour que ce soit un peu plus joli, quand même. Là. Alors, on va essayer de terraformer sur du loin, là, pour que ça fasse pas une zone de terre. Moi, je trouve ça si pas. Moi, je trouve que c'est mieux que la grande roue. Voilà. Après, c'est mon avis, hein, mais. Vous voyez mes messages, vous voyez tes messages, oui. Le nom de la map, c'est Valbois. Le nom de la map, c'est exactement ça. Le Valbois. C'est le Valbois, attention, c'est pas juste Valbois. Salut Tipex, comment ça va? Voilà, là on continue comme ça. Tac. Là, là, nickel. Là, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, par contre, le terraforming est encore un peu dégueu. C'est de la grande roue dans une zone de parc, banger. Ouais, mais faudrait. Je suis d'accord, mais dans une zone de parc en haut. Eh oui. Mais je suis d'accord avec toi aussi. Dans une zone de parc, je suis d'accord. Mais une zone de parc en haut. Eh là, c'est pas mal. Alors, il faudra juste qu'on mette une petite roue de piétonne autour, là. Alors, attendez. Ah oui, mais c'est pour ça que j'arrive pas à la mettre. Une jolie piste cyclable entre les heures, c'est possible. Malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Malheureusement, dans le jeu, il n'y a pas de piste cyclable pour l'instant. Eh oui, je sais. Je sais, c'est triste. Moi aussi, j'en souffre. Quotidiennement. Non, peut-être pas quotidiennement, mais... Il n'y a pas de piste cyclable pour l'instant dans le jeu. Eh, je sais. Bon, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, elles arriveront, j'espère, un jour, parce que s'il y a pas de piste cyclable dans un jeu comme ça, ce serait quand même dommage. Là, pareil, ça, en termes de circulation, qu'il n'y ait pas de vélo, c'est un peu chiant. Bah non, parce qu'en vrai, le vélo, c'est quand même un sacré moyen de circulation. Hein. Il y avait des pistes cyclables sur le 1, bien sûr. C'est pas en DLC, en mode... Eh ben, écoute, pour l'instant, le City Skylines 1, le DLC... pas du tout, pardon. Les vélos sont arrivés après. City Skylines 1, au début, il n'y avait pas non plus de vélo, quoi. Voilà, donc ça arrivera peut-être un jour. Ouais, faut espérer. Alors attendez, par contre, il faudrait peut-être qu'on réduise un peu la taille de cette route-là. Salut Supremacy Avenger, salut Starfala, bienvenue à vous, comment ça va? Il y a plus que d'école que d'université. Oui, c'est vrai qu'on a un peu plus de place d'école que d'université. Alors faudrait qu'on enlève... piéton pavé, il faudrait qu'on mette du trottoir plutôt. J'aimerais réduire la taille ici, là, de la route. Elle me paraît un peu grande. On va enlever les piétons pavés, là. On va laisser ça parce qu'on n'a pas le choix. Séparateur, on va le laisser et on va réduire ça à 2 mètres de trottoir. Pour une route moins large. Quoique même, on va enlever le séparateur au milieu. Voilà, ça fera moins bizarre. Par contre, j'aurais bien mis des arbres en plus. Ouais, j'aurais bien mis des... Ah, en fait, non, j'aurais dû mettre des arbres. En fait, non, je suis con. En fait, non, ça va pas. On va supprimer cette route. Oups. En fait, non, je suis bête. On va laisser comme ça. Voilà. Et on va mettre plutôt des arbres au milieu, là. Est-ce qu'on peut pas mettre des arbres? On va supprimer ça et ça. Voilà. Et on va mettre les trottoirs ici. Ils étaient là les trottoirs, non, ils sont là les trottoirs. On peut pas les mettre au milieu les trottoirs? Oh, allez non. Mais là on peut pas. Ça on peut pas mettre de. Non mais c'est chiant, on peut pas mettre de. On peut pas mettre d'arbres, parce que moi j'aurais bien vu des arbres comme ça là. Oula, pas s'y mettre. Ah mais sinon ça marche pas les arbres là? Ok, bon, de toute façon, ça sert à rien ce que je fais. Bon, allez, c'est comme ça, finalement. Ouais. C'est un mode pour choisir la largeur des autres routes. Ouais, c'est le mode World Builder que vous trouvez sur le workshop. En fait, sur le Paradox mode, pardon. Je me trompe, en plus. Voilà. Bon, allez, c'est comme ça, finalement. Fait une grosse route, mais c'est pas grave. Ok, donc là, faut qu'on terraforme un léger peu aussi pour que ce soit un peu plus joli, également. Voilà. Les pentes soient un peu moins vénères, quand même.
Voilà. Il faut, on va rajouter. Alors, est-ce qu'on laisse les zones, les deux petits. Alors, celui-là, peut-être pas. Est-ce qu'on laisse l'autre petit là, en haut, là, comme ça, là? Ouais, je me dis, il a un petit style aussi, lui. Il a un petit style aussi, ça fait une petite zone culturelle, comme ça, dans tout le parc. Alors, on va essayer d'aménager un peu avec des routes piétonnes hein, tout autour, mais est-ce que c'est pas intéressant de laisser ça comme ça, là? Je sais pas, moi, je trouve que c'est pas mal. On va rajouter des arbres parce que j'en ai enlevé quand même pas mal. Tac. Voilà, on remet nos petits arbres là. Alors pourquoi il m'en met pas plus? Mets-moi des arbres, Bonjou. Fais une grande allée qui va au musée et après des petits tours. Ouais, ça peut être une grande allée qui va jusqu'au musée et après, ouais, je suis d'accord avec toi, ça me va bien. Eh, mets-moi plus d'arbres là, mon pote. Ah, parce que j'ai mis trop de trucs en dessous. Là, on va mettre des petits boulots comme on a mis aussi. Voilà, nickel. Un peu de deux tailles différentes. Là, voilà, voilà, très bien. Là, nickel, 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 c'est bien. Là, on peut en mettre aussi, d'ailleurs, des arbres. Hein. Ça couvrira un peu toute la zone, là. Voilà. Et les chaînes, c'est vraiment bien, je trouve. Bon, tu ferais bien que tu m'en mettes un peu plus, mon pote, là. Allez, mais en moi plus, là, OMG. Oh là. Attends, quand même. Hop. Hop. Voilà. Ah, j'ai mis des arbres sur la route, non? Non, c'est bon. Et là, on peut en rajouter un peu aussi, donc j'y suis. Ok. Voilà, pas mal. Pas mal. Et donc, réussir à faire passer... Alors, du coup... Est-ce que ce serait pas intéressant de faire passer ça jusqu'à la zone ouais mais jusqu'à la zone de l'hôpital ah attends depuis ici là depuis ici est-ce que quoi Pantraine donc comment ça Pantraine est-ce que depuis merde est-ce que depuis ici ce serait pas intéressant ah mais ça va faire une montée un peu vénère que j'aurais bien connecté jusqu'ici ouais non on va être obligé de faire passer comme ça attends reste au sol. Ou alors faut terraformer un chemin. Ah bah alors on fait un chemin en pente comme ça. On n'est pas obligé d'avoir... Quoi pente trop raide? Mais c'est les piétons. Ils peuvent passer. Pente à 15% c'est quoi? Ouais puis on ramène ça. On ramène ça. Ah on ramène ça jusque là. Jusqu'en face de la zone piétonne. Voilà petite zone comme ça. Et là on essaye de monter au niveau de la zone au dessus là. Voilà dans le coin ici. Nickel. Comme ça, les piétons, ils peuvent venir comme ça. Bienvenue à ceux qui l'ont rejoint, bien sûr. La vie est comme une carotte, elle est fragile, elle craque sous la pression, mais elle se savoure avec un brin de douceur. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ça va pas ce soir, non? Et après, on rajoute des petits chemins piétons comme ça, qui partent de là, mettons. Alors attendez, ça peut pas y passer, là? Il a lu la carotte. Ah, une cracotte, putain, oui. Et je suis fatigué, ok, j'ai fait deux fois du sport aujourd'hui, m'en voulez pas. Hop. Voilà, petit chemin comme ça, là. Hop, ça peut faire des petits chemins de randonnée, un peu. Oui, en mode randonnée. Hein. Hop, voilà. Petit chemin comme ça, ça fait un petit parc. Là, pareil, on peut avoir un petit chemin qui part. Il est beau, mon proverbe, non? Il est pas mal, ouais. Hop, entre les deux maisons, là. Voilà, nickel. C'est fou comme il est fort, justement, pour faire des trucs beaux. Bah... Pas si mal en vrai, hein. Il y a un petit délire. Bon, alors c'est vrai que les routes piétonnes sont un peu cachées par les arbres, mais c'est bien du coup, ça fait encore un poumon de la ville. Ouais, c'est pas mal, hein. Je trouve que c'est joli. On en a déjà un là, de petit poumon de la ville avec des petites zones piétonnes comme ça. On en a un autre ici, là, qui est bien caché aussi, un petit parc. Oui, il y a accès à la mer sur la map ici, là. Oui, il n'y a pas la mer normalement à son endroit là, mais ouais, c'est pas mal, hein. Alors il y a juste ici, du coup, j'ai pas fait de connexion piétonne de voiture. Est-ce que ça va marcher? Ok, ça marche, nickel. Golden Gorise. Ça rajoute des lampadaires. Ah, pour la nuit. Je crois qu'il y en a déjà des lampadaires. Il y a déjà des lampadaires, c'est bon. Il y a déjà des lampadaires. Et donc là, on va faire une petite montée comme ça. Là, comme ça. Hop. Et puis hop, on retombe là. Ça fait un joli petit truc, il manque un lac par contre. Ouais, ça manque d'un lac. Pour le coup, c'est moi qui le dis là. Ça manque d'un petit lac. Ça manque d'un petit bassin carré. Ça manque d'un petit bassin. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Il serait chaud là, un petit bassin? Est-ce qu'il serait chaud là, un petit bassin? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Une cascade? Oh, une cascade! Oh, tu m'en demandes trop là. Un lac? Non, mais un petit lac, là. Genre, ici. Un lac qui suit la route jusque là, en fait. Attends. On va faire, là. On va délimiter le lac. On va délimiter le lac, comme ça.
Hop, hop, voilà. Et là, on met un lac entre les deux, là. Des mares. Des mares. Non, mais moi, j'aurais plutôt un gros lac. Ça attire les moustiques. Tu veux nous faire une ville bord de mer avec plage et travail pour lier la ville? On pourrait, ouais. Un lac avec un grand jet d'eau. Ça, je peux faire. Ça, je peux faire un grand jet d'eau. Ça, je peux faire un grand jet d'eau. Alors, attendez. Vous voulez qu'on fasse un lac? Alors, attendez. Il faut qu'on fasse un lac. Donc, déjà, on va terraformer ça jusque là. Voilà, au bord de route. Ouais, attendez, il y a un truc qui va être casse-couille. C'est l'Armageddon, ça vient toi. Il y a un truc qui va être méga chiant. Oh là, j'ai fait une connerie là. Non, gâche pas tout, gâche pas tout. Il gâche tout. Quel con. Quel con. Non, attends, comment ça marche déjà ça? Je sais plus. Oh putain, j'ai tout gâché. Non, c'est bon, ça va. Ah oui, attendez, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que pour faire un lac. Des quais, ouais, on peut faire des quais. Pardon. Le problème, c'est que si on fait un lac, il faut que je baisse les routes. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est bon, je me suis compris. Je me suis compris parce que sinon, les routes vont pas être à la même hauteur partout. Eh non, mais si, vous avez. Si, c'est logique. Si, si, parce que. Non, mais si. Ouais, vous avez pas compris, mais moi, je me suis compris, t'inquiète. Ouais, non, non. Alors, attends, on va refaire ce qu'on avait fait là. Voilà. On va aller jusque là, à peu près. Là, comme ça, là. Parce que oui, non mais il faut qu'on, oui, non mais si, c'est ça. Oui, voilà. Mais oui, non mais si. Sinon ça va être, oui, ouais, mais alors attends. Ça va faire une cascade. Bah oui, sinon ça va faire une cascade, exactement. Et c'est ce que j'aimerais éviter. Pour des raisons évidentes. Oui, non, non, on va longer la montagne là. Voilà, la montagne, la falaise là. Ça va faire délimiter notre zone de lac. Oui, bon là, ça fait une petite montée, oui, effectivement. Hop. Oula, non, pas du tout ça que je voulais faire, absolument pas. Un qui va là, non, non, ouais, ouais. Oui, bah oui, là, oui, du coup. Ah, mais en fait, c'est comme on a plusieurs hauteurs, c'est chiant. Et oui, bah alors attends, pareil là. Ah, du coup là. Oh, il casse tout, ça y est. Il casse tout, mais oui, non, mais oui, mais il faut qu'on mette tout à la même hauteur, parce que sinon, on va jamais y arriver. Voilà. Voilà, et là, hop. Voilà, bon, on verra après. Donc là, c'est tout, voilà, c'est tous les moteurs là. Donc là, on va délimiter, mais ça, c'est pareil. Je voulais pas forcément, faire ça. Non, mais c'est de la merde ce que je suis en train de faire là. Attends. Déjà, c'est pas tous les moteurs là. Qu'est-ce qu'il fait là, le stitter là, n'importe quoi. Non, si c'est bon en fait. Si c'est bon. Voilà. Ok, là, on est bon. Ok, donc là, on a délimité le parc. Ok, alors maintenant, faut qu'on creuse. Ça te fait une petite passerelle au-dessus de l'eau. Alors on peut faire une passerelle au-dessus de l'eau après, mais d'abord il faut creuser. On va creuser Calmos quand même. Voilà, là ça fait un bon lac déjà. Un bon gros lac là. Là, on s'arrête au bord de la route là. Enfin, pour aller aux putes. Oula. Pardon. Voilà. Ok, après on gérera ça. Là, voilà, voilà, maintenant faut qu'on enlève les arbres. Oh là, oh là, oh là, il s'est emporté. Inondation perspective. Mais non, mais non, mais non, j'ai réussi à en faire un qui n'avait pas inondé. Donc ça devrait le faire. T'inquiète, regarde, voilà, nickel. Donc là, on enlève les arbres. Maintenant, on a une belle zone de lac. Et là, dedans, on fout de l'eau. C'est là où ça me fait peur. Lac, alors, profondeur, oui. Oula. Oui, oui, oui. Non, oui, oui, attends. Oui, non, attends, j'ai peur. Oui, save. Trop tard, j'ai mis de l'eau. C'est trop tard, j'ai mis de l'eau. Une fois que j'ai mis de l'eau, c'est trop tard, de toute façon. Elle disparaîtra plus jamais. Attends. Si, elle pourrait disparaître. Rayon. Rayon. Mais c'est la hauteur. Moi, je veux la hauteur. 560 mètres. Donc là, on est bon. Et c'est là. Rayon est pas très gros. Hauteur. Altitude visée, voilà. Nous, on vise 569. On vise 569. Le rayon est un chouïa petit pour moi. I. Un lac de 560 mètres. Mais non, mais non, mais non, c'est qu'il est à la hauteur du. Mais non, mais non, il fait pas 560 mètres. Mais non, c'est qu'il fait. C'est en fait là, il est à 556 mètres. Et en gros, il fait 10 mètres de profondeur. Ce qui est beaucoup déjà, on se le dit. Mais pourquoi je fais des lacs si profonds? Bon, c'est pas grave, trop tard. Maintenant, c'est fait. Hein. Tu es pas obligé de faire un lac si profond, ouais. Et on peut augmenter un peu le rayon, hein. Voilà, 9 mètres. Là, ça se remplit bien. Maintenant, on va s'occuper du reste, là.
Alors attends. Tac, on va s'occuper du reste. Là, ouais, ça se remplit bien, ça se remplit bien. Alors comment on va s'occuper du reste? C'est chiant aussi. Oh, masterclass. Masterclass, j'ai pas tout niqué, nickel, parfait, voilà, super, gna gna gna. Et maintenant, faut terraformer pour que ça se... Pour que ça se... Ouais, oh là là, oh là là, pas mal. Mais non, par contre, pourquoi il m'a... Pourquoi il a enterré... Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Et vous êtes con, monsieur? Putain, j'ai jamais pris un terraforming si petit. Hop, les... Je débute dans le jeu, je galère, tu m'étonnes. Courage à toi, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, il y a plein de gens pour t'aider si jamais t'as des questions. Après, faites le tuto du jeu quand même, il aide pas mal. Hein. Donc le pédalo est tranquille. Alors il manque encore un peu de niveau d'eau, mais ça commence à être pas dégueulasse. Du coup, notre chemin là, donc là c'est bon, notre chemin il est bon. Il faut. Alors attendez, il n'y a pas assez d'eau là non? Est-ce que ça se remplit ou pas? J'arrive pas à savoir. Il y a de la riziculture avec des terrasses quoi. Mais quoi? Non mais c'est joli le bâtiment avec un lac devant, je trouve c'est pas mal, ça fait une bonne idée. Par contre, du coup, on n'a plus nos chemins, là. Alors, attends. Ouais. Est-ce qu'on peut les refaire remonter, là? Ah oui, 8%. Mais quoi, pente raide? Toi qui es raide. Oh, ils sont chiants, hein. Voilà. Tac. Hop, les... Nickel. Ça me va. Dire qu'il y a des textures d'eau dans les modes, j'ai vu sur YouTube, ça pourrait t'aider. Oh là là là. Moi, je vais faire les vrais trucs, moi. Attends. À me servir la lumière rouge éclairée, les dévis où le jugement sollicite dans le millimétré reste toujours visible. T'es sûr que c'est vrai, tu vois, tu vois? Là, tu fais une cascade qui tombe dans le lac. Non, 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 une cascade qui tombe dans le lac. Je crois que c'est en train de se remplir pas mal, hein. Ah, mais attends. J'aurais peut-être pu adoucir un peu le bord, là. Voilà. Je sois un peu moins chol. C'est un bord un peu vénère, quand même. Voilà. Bien, bien, bien. C'est toi qui raid. Ok. Un petit chemin péton au bord du lac. Au milieu du lac? Ah oui, hein, une passerelle, tu veux dire, enfin un petit pont. Ça se remplit assez là? Ça bouge plus le niveau d'eau? Attends, là-bas, ça va plus non plus. Mais c'est un peu raide là. Ah, mais attends, je sais! Je sais! I do what I want to do to know. I know what I want to do. Putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je suis vraiment le pire des bouffes. Quoi, toi? Ah, mais oui, je peux pas mettre de quai là, par contre. Je peux pas mettre de quai. Ah, si, je peux mettre un quai là? Oh! Mamma mia, this is incredible that I love this road, I love this game, I can do what I want to do. Oh là là, là c'est beau là. Oh putain, c'est de la perfection. On touche là. Ah, dommage là. Ah, il y a la petite connexion là, qui est un peu bizarre. J'ai appris l'accès espagnol. Oui. Alors. Ah oui. Oh, oh, oh oui, ah oui. Ah oui, ah oui, c'est oui. Ah, il y a dommage le petit coin qui fait chier, mais sinon c'est pas mal mon petit lac là. Par contre, il n'y a pas assez d'eau là. Ah, des jets d'eau. Je crois qu'on en a des jets d'eau. Attends, j'ai un doute. Des jets d'eau. Ah, mais non, c'est dans mon Planet Coaster qu'on a des jets d'eau. Mais ouais. Du coup, c'est. Sinon, on met une fontaine, hein. Fontaine. Fontaine, il n'y a pas des fontaines qui jettent de l'eau? Attends, je sais plus, moi. On cache une fontaine sous l'eau. Non, je crois qu'il n'y a pas de fontaine qui jette de l'eau. Laisse des endroits avec la terre, pas de quai. Ah ouais, tu crois? Attends, fais voir. C'est une merde. Ouais, je me mets une cascade, regardez. Ah, bonne soirée, t'as frère. Salut, Zoslo, comment ça va? Des petits pédalos? Non, mais... Ah, il faudrait ça au milieu, là. Je peux pas mettre au-dessus de l'eau? Non. Merde, je l'ai mis au fond de l'eau. Je peux pas le mettre. Attendez, on va tenter un truc. Alors, faut que je fasse un petit îlot. On pourrait mettre une grosse fontaine au milieu de l'eau, en vrai. On pourrait mettre une grosse fontaine pour faire plus naturel de quoi. Ah, ouais. Ah, oui. Oui, oui. Bonne soirée, tarte aux fraises, en tout cas. Pas mal comme ça. Non, mais on doit pouvoir le mettre au milieu de l'eau. Attendez, on va tester. On va tester. On met ça là. Attendez, je sauvegarde parce que ça a fonctionné. Quoi faire? Pourquoi faire? Ou alors, on fait une petite île. Ouais. Et si je mets ça... Oh! 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 Attends, mais c'est incroyable! Je suis amoureux de ce jeu. Possible ça, on a le droit ou pas? Oh là!
ça je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Je fais ma rentrée, j'ai déjà envie de canner l'emploi du temps qui change en permanence. Ah l'enfer, force à toi. Oh là là, oh là 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 là. Mon cœur danse la Macarena, là 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 là. Ouais, après on peut être une petite île aussi, hein, effectivement. Dommage qu'on ait pas de jet d'eau, mais on a forcément un truc avec des jets d'eau, non? On a rien que des jets d'eau? C'est chiant. C'est chiant qu'on ait pas de petits jets d'eau, là. Ça me turlupine, j'étais sûr qu'on avait une place avec des jets d'eau, non? Bon, par contre, il manque toujours un petit peu d'eau. Salut Queenstone, comment ça va? Un suppositoire géant. Alors, as-tu visé, du coup, faut qu'on augmente un peu. 570 mètres. Bien sûr, faut y aller tranquille parce que ça peut déborder à tout moment. Ah non! C'est trop vite, ta mère! Attends. Attends, faut juste relever un peu la route là, sinon. Coucou! Regarde, ça dépouille de mon côté. Non. Voilà! Bon. Ah, ça fait un joli bassin, hein! Pas sur CSE de mémoire. Non, mais alors, c'est sur CS1. J-2 les vacances. Voilà, oh, chance. Salut, Mansou, comment ça va? Ah, y'a des ronds-points avec des jets d'eau! Attends. Ça, il me fait douter. Ah, mais si c'était un mode, mais qui existe plus. Du coup. Oui, t'as raison. Il y avait un mode. C'est ça, voilà. C'est ça que j'avais. Oui, c'est ça. C'est ça que je confonds. Bah, tant pis. Sinon, on fait un petit îlot au milieu. Ça me casse les couilles. On peut faire un petit îlot au milieu, là. Îlot rond, comme ça. Hein? On peut tout. Putain. Petit îlot rond au milieu. Un petit îlot et on met un. Je sais pas si ça va être joli. Hein. Et on met une connexion piétonne comme ça. Ouais, non. Je sais pas. Et dessus, on met quoi? Ouais, mais ça sert à quoi? On met les fontes. Non, c'est nul. Non, c'est nul. J'aime pas. Je reviens sur mon ID. Non, c'était pas terrible en fait. Donc on va laisser comme ça. En vrai, des fois, la simplicité et le. Et le mieux, c'est beau. Non, c'est bien. Alors attendez, du coup, on a dégagé beaucoup d'arbres, donc on va en replanter, parce que je plante des arbres, je suis un mec sympa. Ouais, non, juste une île sans raccordement piéton. Ouais, mais une île avec des arbres. Nous la chier. Ah oui, carrément. Ou une île avec des arbres, sinon. Et beaucoup d'arbres, hein, quand même. En fait, c'est dégager les merdes, là. Voilà. Et cause des arbres, j'ai mis en sous-bois, là. J'ai enlevé les arbres en sous-bois. Oui, comme c'est. Non, c'est bien comme ça, non. En vrai, moi, je suis pas sûr de l'île, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Une statue sur l'îlot. Bah non, moi je trouve que c'est bien comme ça. Des fois, pas besoin d'en rajouter des trucs en plus, hein. Une île, I love Bréjean. Non, mais c'est bien comme ça. Non, tu loues de la même taille que la fontaine, tu poses ta fontaine dessus. Bah, je peux mettre la fontaine au milieu sans mettre de... Sans mettre d'îlot, je vais pas me faire chier, hein. Attends. Si toi, réussi à faire quelque chose avec l'eau. N'empêche, mesdames et messieurs, on a beau dire que je suis un nulos avec l'eau. Là, un lac, dans une zone pas facile, zéro débordement d'eau. Ici... Une lac, ouais. Dans une zone de pas facile, zéro débordement de l'eau. Écoutez, je trouve que la progression se fait sentir. Ah oui, la Grande Roue. Bah, la Grande Roue, je veux bien, mais il faut raser un quartier, quoi. Oh, la Grande Roue sur la place, là. Qui donnerait sur la place principale. Bravo, je ne dirais plus, rien de plus. Merci. S'il y a de l'eau sur la route. Mais ça compte pas. C'est dur, non. Tu as arrêté la mer américaine? Mais oui, parce qu'en fait j'aime trop Cities Skylines 2, putain. Est-ce qu'on essaierait pas de mettre. Attends, pourquoi on peut améliorer ça? Ah, mais c'est vrai qu'on a dit que les bâtiments ils changeaient pas de couleur. C'est pas grave. Est-ce qu'on essaierait pas de la mettre la Grande Roue là? En vrai. Mais c'est quoi ces pseudos là? Est-ce qu'on essaierait pas de mettre la Grande Roue là? Je pense qu'on pourra jamais. Ah, elle est pas si grosse! En vrai, on dégage une. Ouais, non, si elle est grosse quand même. En fait, faudrait dégager l'hôtel de ville. Ah, au Grande Roue en bord de mer. Ah, mais ça fait très américain quand même. Mais là, tu vois, ça passe, hein. Ah, mais là, ça fait raser plein de routes où il y a le tram et tout, quel enfer. Ou alors vers le château. À la limite, c'est plus facile ici. Ici, c'est presque plus facile vers le château, là. On dégage des baraques. Comme à Marseille, en bord de mer. Ah, mais ça veut dire qu'il faut aménager un port. Et on est loin, quoi. Oui, mais là, le truc, c'est qu'on n'a pas une ville construite en bord de mer. On a une ville construite sur un caillou où il y a la mer pas loin. Mais bon, on n'est pas directement en bord de mer. Est-ce que la circulation s'est améliorée? Est-ce que les gens viennent là? Eh oui! 348 automobiles! C'est la folie! La suite, creuser le sol. Pour avoir la mer?
Du coup, il y a vachement de bouchons ici. Tu vois ? Une marina avec un canal. Oh là, oh là, calme-toi, calme-toi. Alors, l'idée est bonne, mais malheureusement, c'est pas réalisable pour l'instant. Ouais, non, mais c'est bien comme ça. Est-ce que du coup, notre tram nous donne satisfaction ? Il est où ce con-là ? Il bof toujours, hein. Après, j'ai pas mis beaucoup de véhicules, donc si on va rajouter un. Toujours un peu bof ce tram. Hein. Ouais, il donne pas satisfaction. Hein. Pour l'instant, il est pas très utile. Hein. Il est pas très. Imagine, t'as vu dans un quartier depuis des années, et un jour, on te dégage pour mettre une grande roue. Bah quoi ? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. les modifications sont vraiment bien. Ouais, mais il en manque. Il y a 1000 personnes là ? Oh ! Voilà ! Définition, on a un trottoir plein. Ah oui, là, effectivement, on a un petit souci, ouais. La ligne de tramway, elle est bien utilisée, ouais. Dans la zone ville vers les parkings, il y a un aéroport. Ah, mais l'aéroport, j'aurais fait plus dans la zone ici, moi. Loin. Faut voir régional comme le Douy avec plusieurs villes. Bah ouais, c'est ça, bah il y en a déjà plusieurs. Il y en a une là. Il y en a une là. Là, il y a une zone industrielle. Définition d'un trottoir. Oh, bien vu. Fait un canal de la mer à la ville comme dans certaines villes. Oh, oh ouais, mais un canal de la mer à la ville, t'es malade. T'es malade ou quoi ? Tu veux ma mort ? Oh, mais oui, l'idée est bonne, mais t'es malade. T'es malade. Je suis pas. Oula. Je suis pas agoraphobie, mais c'est taré, m'angoisse. Oui, moi aussi, oui, t'inquiète. Moi aussi. Agoraphobe. Ah oui, c'est ça. Je me dis, ça veut rien dire. Non, mais oui. Bon, cette zone, en tout cas, elle me satisfait bien. Bon, celle-là, c'était un échec, elle me va pas, mais on l'agrandira, ou alors on mettra des bâtiments à forte densité, je sais pas, faudra voir. Où sont les maglefs ? Malheureusement, il n'y en a pas. Eh, ça circule bien, hein, c'est mieux, hein. Bon, j'ai relancé Discord, j'ai une bonne chose de faite. Bienvenue à toi. Ok, donc là, on est bon, on est pas mal. Là, il y a des gens à l'université un peu. Au fait, on est où ? T'es dans des écoles. Oh ! Ouais, il manque 25 000 places ! Enculé ! Mais comment tu veux que je mette 25 000 places d'école ? C'est le double de ce que j'ai déjà ? Non, mais c'est n'importe quoi. Il reste combien de millions d'années à l'école, les enfants, là ? 25 000 places ? Une école, ça fait 2000 ? Faut que je mette 10 écoles, là ? Non mais attends, mais c'est n'importe quoi, en face des parkings que des écoles en vrai. Non mais attends, mais on va pas mettre que des écoles. Ça a pas de sens. Non, y a pas de téléphérique sur ce CS2. Putain, je t'ai envoyé une boîte à gros mots. Ah oui, merde, c'est vrai. Oh là là, ouais, je suis une pièce perdue. Bon, on va mettre une par là, hein. On va devoir galérer avec de l'eau. Ouais, mais je sais ça. On va mettre une école là déjà. Avec un petit lycée. Premier gros mot pour la commu. Des redoublants, mais je sais pas, mais je pense que la gestion. Là, comment on fait là ? On va essayer d'en mettre quelques-uns, mais quelques-unes, pardon. Mais bon, tu mets une île, il y a des écoles. Ah ouais, non, mais bon, ça va pas quoi. Ah, mais le calcul des écoles est bugué, c'est pas possible. Mais regarde, elles sont pleines instant. Je viens de faire 2400 places, sont pleines instant. Imagine les on peut noter la boîte à gros mots pour ce bâton. Oh merde. Ah mais c'est impossible pour moi de mettre 0. Mais on peut le noter, ouais. Ah, mettez dans suggestions si vous avez des suggestions pour ce bâton, tiens. Merde, je vais mettre les doigts sur mes lunettes. N'hésitez pas à mettre dans suggestions. Comme ça, je me souviens des idées parce qu'il y avait Mario Kart. Il y avait plein de trucs. La gestion est catastrophique, t'as un tiers de la population école primaire. Bah oui, je sais, mais comment c'est possible ? Une boîte à gros mots. Ah oui, merde, c'est vrai. 6h 2024. Ouais, bah quoi ? Mais j'ai le droit, moi. De toute façon, vous allez faire quoi ? Vous voulez que je brûle le billet ? Bon, on va rajouter des écoles ici aussi, hein. Mais c'est qu'elles sont... Oui, non, mais d'accord, mais... Voilà, mais là, on a 1500 places, là. C'est quand, ce bâton ? C'est le dernier week-end de septembre, à partir du 28. Ou alors, fais un campus d'école primaire, comme ça, tu amènes les transports en commun et tout est centralisé. Bah, en vrai, je me demande si ça va pas être finir par ce qu'on va être obligé de faire, hein. Un campus d'école primaire, on en est là, t'imagines ? Après, on peut rajouter une petite ici, en plus. Mais bon, là, on en a fait 14 000, là. En France, on a 430 écoles primaires en moins pour cette année, mais CS2, c'est l'inverse. Ah ouais, ils ont enlevé 430 écoles primaires ? Attends, comment ils font pour loger tout le monde ? Là, il en manque encore 20 000. Après, on a des toutes petites comme ça, mais elles font 200 places. Tu voudrais commencer ce bâton de 10h le 28 septembre ? Bah, dans l'idée, ouais. Ouais, je voulais tenter le matin, cette année. Parce que, en fait, l'année dernière, le problème, c'est que on a commencé par la soirée, ce qui était bien. Mais après, on s'est retrouvé en plein milieu de la nuit et c'était dur à gérer, en vrai. Je sais pas ce qu'ils en pensent, ceux qui ont fait le sabaton l'année dernière, qu'on l'ont vécu avec nous. Est-ce que vous pensez que c'est pas mieux de commencer le matin ? Parce que je vous demande, parce que c'est fait partie aussi de votre avis compte.
Peut-être des écoles ont fusionné car pas assez remplies. Ah oui, c'est vrai qu'à la campagne, avec les rassemblements de communes, ça peut le faire, ouais. J'en joue des écoles, hein, mais bon, sans forcément une grande motivation, parce que de toute façon, j'arriverai jamais à faire 20 000 places. Et en plus, on a encore de la demande en habitant. Est-ce que les gens sont contents, cette ville? Ah, les déchets, bof. Il y a plus de morts, en fait? Ah oui, c'est bon, ça s'est résolu. Ah oui, il y a toujours des problèmes de déchets. Ouais, mais les déchets, de toute façon, ils m'ont toujours plus ou moins saoulé, les mecs. Hein. Ouais. Comment ça va, cette ligne de bus? Ils sont toujours pleins. Ah oh, ouais, faut qu'on, tellement qu'on mette le tram. Ah ouais, faut tellement qu'on mette le tram, là. Pff, mais regarde ça, la ligne, là. Il y a combien de gens aux arrêts, là? 280, 110, 200, 278, 100, 150, 126, 336, 356. Même si je rajoute des bus, ça change rien. Hein. Voilà, on va faire ça en solution en attendant, mais là, il faut rajouter, ouais, on va rajouter 3-4 bus. Mais des écoles comme ça fait dans une grande école. Ah oui, mettre plusieurs écoles. Ah oui, j'avoue. J'avoue, ça pourrait être pas bête ça. De mettre des écoles dos à dos pour faire genre c'est une seule école. Attends. On peut tester ça. Non, on met les deux à côté comme ça là. Ah, pas bête. Bien wesh ça. Ah ouais, on va avoir l'impression que c'est une seule école. Regarde ça. Là, je viens de te faire 6000 places. Ah ouais, c'est bien. Bon, ça fait très anglais par contre, mais. Attends, j'enlève celle-là, voilà. Au pire, ajoute des écoles dans les petits villages. Oui, ça va être. Ouais, ça fait une grosse école comme ça. Ah, mais attends, j'y avais pas pensé, ça se marie bien en plus. Alors potentiellement, regarde, on enlève celle-là, là. Celle me fait chier. Et on en met une là. Ah, mais il faut que je la mette à côté. Ça, c'est quoi? Une small college. Oui. Attends. Mais c'est que les routes sont pas droites. Non, t'inquiète. T'inquiète même pas. Hop. Hop. Voilà. Bam. Voilà. Va dans le Cantal et mets une école unique pour toute la France. Bah, si ça fait 24 heures, tu vas forcément faire 1 000 000 de nuit. Cela dit, tu peux faire dodo aussi. Bah, alors, je pensais. En fait, ce que je pensais faire pour le sabaton cette année, c'est faire. Donc, commencer à 10h, 11h le samedi matin. Live jusqu'à 2h du mat. Après, je dors. Allez. 4h. Comme ça, je reviens à 6. Après, à voir combien il y a de subs aussi. Hein, mais comme ça, je reviens à 6 et j'ai dormi un peu. Et ça permet de... Parce qu'en vrai, en plein milieu de la nuit, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un peu calme. Bon, c'est pas ouf, quoi. Je me dis, ça peut être bien de faire une coupure au milieu de la nuit. Bon, bref. Mesdames et messieurs. Messieurs et mesdames. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dans notre galerie d'art? Ah oui, il y a du monde sur ce petite zone là. Oh, c'est trop mignon en vrai. Oh, j'aime trop. Ah oh, oui, j'aime trop cette zone. Elle est vraiment sympa. Je pense que jusqu'à 2h du matin. Oui, tenir, oui. Bon, l'année dernière, j'ai tenu 26h30 sans pause. Hein. Enfin, j'ai fait 15 minutes de sieste. Écoutez, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, on s'arrête tranquillement. Il est déjà notre petit 21h. Merci à tous d'avoir suivi cela. Merci à modération. Merci au chat. Merci au follow. Merci au sub. Merci à vous tous et toutes d'avoir suivi cela. Merci à vous. On se retrouve demain.